السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله عز وجل en cette soirée du Muharram 1436 de l'Hégire, correspondant au 17 novembre 2015, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Attendez, je vérifie 2015 ou 2014. 2014. D'accord. 2014, bi'idhnillah ta'ala. Donc, nous sommes toujours, inshallah ta'ala, avec le livre « Le mal et le remède, ou alors péché et guérison » de Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullah. La fois passée, quand on a parlé de ce livre, je voudrais juste rappeler une chose, car pour certains, il y a eu un petit amalgame, et peut-être qu'ils n'ont pas pu comprendre. Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullah, son nom, c'est. Attendez, comment il s'appelle? C'est Mohammed, naam. Mohammed ibn Abi Bakr. Mohammed. Son père, c'est Abu Bakr. Mohammed ibn Abi Bakr. Est connu sous le pseudo de Ibn al-Qayyim. Ibn, le fils de al-Qayyim. Al-Qayyim, c'est le directeur. Naam. Ibn al-Qayyim. On peut dire al-Jawziya. Al-Jawziya, c'est l'amandier. L'amandier. Donc, on choisit maintenant, ou bien on dit Ibn al-Qayyim, tout court. Le fils du directeur, c'est-à-dire de l'amandier, ou bien on dit Ibn Qayyim al-Jawziya, ou bien le fils du directeur de l'amandier. On peut dire, par exemple, Ibn Qayyim, et on se tait. Fils directeur, ça marche pas, marche pas. Fils du directeur, Ibn al-Qayyim, c'est pas Ibn Qayyim. Et on peut pas dire aussi le contraire, Ibn al-Qayyim al-Jawziya. Non, Ibn Qayyim al-Jawziya, ou bien Ibn al-Qayyim directement. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous sommes au quatrième cours. Je pensais qu'on était au cinquième. Allez, je me suis trompé. Vous écrivez le titre, l'invocation et la prédestination. L'invocation et la prédestination. Page 26, bi'idhnillah Ta'ala. Tayyib. La fois passée, quand je vous avais demandé à certains de préparer des choses, ils n'ont pas préparé, ça m'a un peu énervé. J'espère que... Yani, comment dirais-je? J'espère que je vous ai pas énervé vous aussi. Mais moi, ça m'a un peu énervé. Yani, je me suis dit, comment il y a 200 ou 250 dans le salon, il n'y a personne qui peut aider. Après, je me suis dit que. Non, frère, Inch'Allah, je me suis dit que, de toute façon, ce n'est pas de votre faute. Normalement, vous êtes là pour écouter, c'est tout. C'est à moi de tout préparer. C'est pour ça que maintenant j'ai décidé que ce soit moi qui prépare. Et que même s'il y a maintenant quelqu'un qui en préparé, il y en a de chez vous, mais allez, j'en les laisse eux aujourd'hui s'en occuper. Mais la fois prochaine, je suis désolé, j'ai eu le livre juste avant le cours, dû à mon livre, je ne peux pas me dire ça, mais un frère m'a ramené. Mais allez, je pense que même, on va essayer, je pense que même. Si vous avez le livre, si vous avez ce qu'il faut, que ce sera un peu difficile pour vous. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un programme dans lequel je mets les versets, les hadiths, et il me suffit juste de cliquer dessus, et il affiche Bidna Ta'ala. Tandis que pour vous, c'est difficile parce que vous allez mettre ça sur le Word. Le Word. Ensuite, le Word, des fois, le pastoc n'accepte pas, yani, par exemple, les traits d'union, n'accepte pas d'aller à la ligne, n'accepte pas certains caractères. Donc, vous aurez des difficultés à afficher. Trop de caractères, ma'alish. Yom, on va vous essayer, Inch'Allah Ta'ala. Moi, j'ai préparé, mais
Allez, je mets de côté ce que j'ai préparé. Et vous allez essayer, Inch'Allah ta'ala, on va voir. Bi'idhnillah ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala vous aide. Quand vous ne pouvez pas, c'est moi qui affiche à votre place, Inch'Allah ta'ala. Donc, rappelez-moi, est-ce que vous avez écrit l'invocation et la prédestination? Est-ce que vous l'avez écrit? Alhamdoulilah. Ibn al-Qayyim al-Rahmatullah dit, il est une question connue qui est, si la chose pour laquelle on invoque est prédestinée, elle surviendra nécessairement, que le serviteur invoque pour cela ou non. Et si elle n'est pas prédestinée, elle ne surviendra pas, que le serviteur le demande ou non. Ils pensaient que cette question était valide et ils ont délaissé l'invocation en disant qu'elle n'était d'aucune utilité. En plus de leur excès d'ignorance et d'égarement, ils se contredisent, car l'étude attentive de leur voix implique de cesser toute cause. On peut répondre, Cheikh Rahimahullah l'a dit, on peut répondre à l'un d'eux, c'est-à-dire en disant, si la satiété, c'est-à-dire le fait, un insane, par exemple, il a mangé et il s'est assouvi, si la satiété t'a été prédestinée et doit nécessairement survenir, que tu manges ou non, et si elle ne t'est pas prédestinée, elle ne surviendra pas, que tu manges ou non. Donc c'est comme ça. Si Allah Ta'ala a écrit que tu auras la satiété, ce n'est pas la peine de manger. Non. Elle n'est pas prédestinée, mange ou pas, elle ne viendra pas. La même chose, si on t'a prédestiné d'avoir un enfant, il viendra nécessairement que tu aies un rapport charnel avec ton épouse et ta servante ou non. Et si on ne t'a pas prédestiné, il ne viendra pas. La même chose pour l'enfant. Si Allah Ta'ala a écrit que tu auras un enfant, ce n'est pas la peine d'approcher ton épouse, il viendra. Et le contraire, et s'il n'a pas prédestiné qu'il viendra, si tu approches ton épouse, il ne viendra pas. Donc, aucunement nécessaire de se marier ou de prendre des esclaves. Et ainsi de suite. Un homme censé ou être humain, ou un être humain, peut-il dire une telle chose? Plus encore, les animaux, par nature, mettent en œuvre les moyens qui assureront leur subsistance et leur survie. Les animaux sont donc plus sensés que ceux qui sont tels le bétail, voire plus égarés encore. C'est-à-dire ceux qui pensent comme ça. Ceux qui pensent comme ce qu'on vient de lire maintenant, les animaux sont mieux qu'eux. D'autres ont été plus rusés et ont dit, la pratique de l'invocation est une pure adoration pour laquelle Allah Azzawajal récompense celui qui invoque sans que cela ait quelques conséquences sur ce que l'on recherche. Il n'existe aucune distinction pour ces finaux entre le fait d'invoquer et celui de s'en abstenir par le cœur et la langue dans la survenue de ce qui est. Pour eux, l'invocation est strictement semblable au silence. Donc certains sont crus usés. Ils ont dit l'invocation, l'essentiel, c'est les ibad, c'est une adoration. Mais rien de plus. D'autres encore ont été plus rusés. Et ils ont dit l'invocation est un simple signe d'Allah, est un simple signe qu'Allah a établi pour satisfaire aux besoins. Ainsi, lorsqu'Allah accorde à quelqu'un d'invoquer, c'est là un signe pour lui qu'on a répondu à son besoin. Cela est semblable au fait de voir un nuage noir et froid en hiver. Cela indique qu'il pleuvra. Ils disent, il en est de même pour la relation entre les actes d'adoration et la récompense, ou la relation entre la mécréance et les péchés. Ce ne sont que de simples signes qui indiquent la récompense ou le châtiment, et non que ce sont des causes. Et ainsi de suite pour eux, dans la relation entre la brisure et la casse, la brûlure et l'assassinat et la mort, rien de cela n'est une cause. Et il n'existe aucun lien entre la chose et ce qu'elle implique, si ce n'est une simple conjonction et non un rapport de cause à conséquence. Il s'oppose en cela au sens et à la raison, à la législation et à la sûre, ainsi qu'à tous les groupes d'hommes sensés qui se rient d'eux pour cela. Allahu Akbar. Donc cela, ils ont tout et rien contredit. Et ce qui est correct, dit Cheikh Rahimahullah, ce qui est correct, c'est qu'il existe une troisième possibilité, autre que celle mentionnée par celui qui interroge, et qui est que la chose prédestinée l'a été au travers de causes
parmi lesquels figure l'invocation. Naam. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. La chose prédestinée, qu'Allah Ta'ala a écrit il y a 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Des fois, Allah Ta'ala savait de toi que, en faisant une invocation, tu allais avoir cette chose. Donc il a écrit cette chose avec son invocation. Vous avez compris? Donc Allah Ta'ala, donc l'invocation rentre dans la prédestinée. Il ne faut pas dire si c'est prédestiné, ça viendra, même sans invocation. Mais non! Des fois, Allah Ta'ala a écrit que cette chose viendrait avec l'invocation. Donc toi maintenant, tu ne vas pas faire l'invocation, donc il n'y aura pas cette chose. Non. Ensuite, ici, il dit, ce qui est correct, c'est-à-dire qu'on a, non, voilà. La chose n'est donc pas prédestinée sans cause. Voilà, la chose n'est pas prédestinée sans cause, mais au travers de cause. Et lorsque le serviteur met en œuvre cette la chose prédestinée survient. Et s'il ne met pas en œuvre cette cause, la chose reste néant. Voilà, Allah Ta'ala a écrit, tu te maries, si tu fais des doigts, tu fais pas de doigts, tu te maries pas. Et toi, tu vas dire non, si c'est prédestiné, ça viendra. Qui te dit ça? Qui te dit que Allah Ta'ala n'a pas écrit que ça vient à condition que tu fasses des doigts? Non, il dit ici, ainsi de la manière que la satiété prédestiné au travers de la nourriture et de la boisson, l'enfant au travers du rapport charnel, la récolte au travers de la semence, la mort des animaux par le sacrifice, l'entrée au paradis ou en enfer est prédestinée au travers d'œuvres. C'est là la vérité sur cette question et c'est ce dont celui qui interroge a été privé. Voilà, c'est là la vraie chose, le vrai fond, yani de la question et sa vraie réponse, et c'est ce que n'a pas compris celui qui a posé cette question. L'invocation compte donc parmi les moyens les plus puissants. Les plus puissants. Et si la survenue de ce monde, la survenue de ce qui est demandé est prédestinée au travers de l'invocation, il n'est pas juste de dire que l'invocation n'est d'aucune utilité. Subhanallah. De même qu'on ne peut pas dire qu'il n'est d'aucune utilité de manger, boire ou d'accomplir tout mouvement ou acte. Aucune cause n'est plus utile que l'invocation. Et rien ne permet mieux de parvenir à ce qui est recherché. Puisque les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, étaient les hommes les plus savants de la communauté, concernant Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, il est plus versé dans sa religion. Il est plus versé dans sa religion. Il connaissait mieux que tout autre ce moyen, ses conditions et la bienséance qui convient. Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, cherchait secours au travers de l'invocation contre ses ennemis. Elle était la plus grande de ses armées. Et il disait à ses compagnons, la victoire ne vient pas du grand nombre, mais la victoire vient du ciel. La victoire ne vient pas du grand nombre, mais la victoire vient du ciel. Et il disait, je ne me soucie pas de l'exaucement, mais je me soucie de l'invocation. Lorsqu'on vous inspire d'adresser une invocation, l'exaucement l'accompagne. L'exaucement l'accompagne. Un poète s'inspira de ce sens, un poète dit, si tu ne voulais pas que je parvienne à ce que j'espère et demande, des largesses que tu possèdes, tu ne m'aurais pas habitué à demander. C'est pour ça qu'on a dit une fois, Omar Mokhtar, radiallahu ta'ala anhu, je crois qu'ils étaient dans un endroit, il n'y avait pas d'herbe pour les moutons ou quelque chose comme ça, et il a dit, on quitte cet endroit pour aller vers un autre. On lui a dit, Atafir, in qadarillah, tu fuis du destin de la prédestination. Il a dit, Naam, je suis de la prédestination d'Allah Ta'ala vers la prédestination d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Certains ont dit que c'était à cause, d'autres ont dit à cause d'une maladie. Je fuis de la prédestination d'Allah Ta'ala vers quoi? Vers une autre chose prédestinée par Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, c'est la même chose. Ainsi, celui auquel on inspire, ainsi, donc, Omar Mokhtar, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, là, écoutez ce qu'il a dit, chose très importante, il a dit, la victoire ne vient pas du grand nombre,
la victoire, elle vient du ciel. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te donne la victoire. Et il disait, je ne me soucie pas, je ne fais pas de chagrin pour l'exaucement, mais plutôt je me soucie de l'invocation. Ensuite, il a dit, lorsqu'on vous inspire d'adresser une invocation, l'exaucement l'accompagne. Il a dit, le problème, ce n'est pas l'exaucement. Allah Ta'ala a promis dans le Coran qu'il allait exaucer. Mais le problème, c'est l'invocation. Il faudrait que Allah subhanahu wa ta'ala aussi t'inspire d'invoquer. Des fois, tu n'invoques pas. Il arrive des problèmes. Ou alors, tu invoques avec un cœur distrait. Un cœur distrait, donc, pas de réponse. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala t'inspire l'invocation au moment où il faut, et t'inspire, yani, les conditions aussi de l'invocation, alors sache, inshallah ta'ala, que tu seras exaucé, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, celui auquel on inspire d'invoquer, c'est-à-dire Allah lui inspire d'invoquer, on aura voulu l'exaucer. Voilà ce que je voulais dire, et ce que veut dire aussi Omar ibn Khattab. Il a dit, radiyallahu ta'ala anhu, ainsi, celui auquel Allah azzawajal inspire l'invocation, ça veut dire qu'il a voulu l'exaucer. La preuve, Allah azzawajal a dit dans le Coran, Ud'uni astajib lakum. Invoquez-moi et je vous exaucerai. Verset 60. Ud'uni astajib lakum. Invoquez-moi et je vous exaucerai. Naam. Verset 60. Allez, moi aussi je. Comment dirais-je? Moi aussi je mets avec vous aussi. Avec vous, je mets aussi avec vous les versets. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين et votre Seigneur dit appelez-moi en sens invoquez-moi je vous répondrai il a dit ensuite ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié subhanallah al-azim celui qui n'adore pas celui qui n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit celui qui m'invoque pas, il a dit ceux qui se refusent à m'adorer. Alors que là, il a dit invoquez-moi. De ce verset, les savants ont pris que donc l'invocation c'est une adoration. Ça, votre Seigneur a dit quoi? Invoquez-moi. Il a dit invoquez-moi. Je répète le verset. Votre Seigneur a dit appelez-moi, c'est-à-dire invoquez-moi, je vous réponds. Ensuite, il a dit ceux qui par orgueil se refusent, il n'a pas dit à ne pas m'invoquer, mais il a dit à m'adorer. Il dit donc adorer, donc invoquer Allah subhanahu wa ta'ala signifie adorer. D'ailleurs, le hadith est authentique. L'invocation, c'est l'adoration. D'ailleurs, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi dans le Coran, wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujib da'wat ad-da'i idha da'an. Et si mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds de celui qui m'invoque. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Quand vous tardez, j'affiche à place. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Répondent alors à mon appel et qu'ils croient en moi afin qu'ils soient bien guidés. Là, je montre ici les conditions. Il a dit, quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. C'est-à-dire, c'est pas la peine, comme par exemple dans le christianisme, on va chez quelqu'un pour lui demander de demander des choses à Allah Ta'ala. On a un intermédiaire. Dans le christianisme, il y a l'intermédiaire. Tu vas chez le pape ou chez le curé. Tu lui donnes un peu d'argent et tu lui demandes de te faire des prières. Chez nous, alhamdoulilah, quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors dis-leur, je suis tout proche. Ils n'ont pas besoin d'aller vers une autre personne. Qu'est-ce qu'ils font seulement? Ils me prient. Il a dit, je réponds à ceux de celui qui me prie, quand il me prie. Mais par contre, il faut deux choses. Qu'ils répondent à mon appel. Ce n'est pas quand tu as besoin de moi, Naam, tu lèves les mains et tu me demandes des choses. Et maintenant, moi, quand je te demande des choses, tu ne les fais pas. Ce n'est pas comme ça. Alors, réponds à mon appel. Quand je te dis, prie, prie, je te dis, vois-toi, je te dis, ne fume pas,
Il m'a de l'alcool, il m'a toi. Et comme ça, réponds à mon appel. Et crois en moi afin que vous soyez bien guidés. Donc, vous soyez bien guidés. Abu Huraira rapporte que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui ne demande pas à Allah, il se courrouce contre lui. Sahih al-Jami'. 218, page 28. Abu Huraira, radiyallahu ta'ala, nous rapporte que le messager a dit, celui qui ne demande pas Allah, dans le sens n'invoque pas Allah ta'ala, il se courrouce contre lui. Pourquoi? Car ne pas demander à Allah azzawajal veut dire que tu n'as pas besoin de lui. Naam. Et Allah ta'ala veut que tu montres que tu as besoin de lui dans toutes choses. Toutes les petites choses et les grandes. Allah ta'ala veut que tu montres que tu es indépendant. Tu es dépendant. Tu es dépendant en toutes choses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu lui montres comme ça, il va t'aimer. Non. Si au contraire, tu montres que tu n'as pas besoin de lui, donc pas besoin de lui faire des doigts, donc il va se mettre en colère contre toi. A'oudou billah. Et combien y a de personnes qui ne font jamais de doigts? Non, jamais tu les vois faire des doigts. À des gens qui peuvent vivre 40, 50 ans dans cette vie, 60 ans, il n'a jamais élevé les mains vers Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander une chose. Non. Et Yom al-Qiyamah, il va lui demander à Allah. Faites-moi rentrer au paradis, Allah, éloignez-moi de l'enfer. C'est trop tard. Non, c'est trop tard. Cela montre que la satisfaction d'Allah Azzawajal réside dans le fait de l'invoquer et de lui obéir. Plus tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu voudrais l'invoquer. Plus tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. Plus ton cœur est plein de foi et de crainte d'Allah Azzawajal et d'amour, plus tu ne cesses de l'invoquer. Et plus tu es loin de lui, plus tu as un cœur distrait, même insouciant, et par conséquent, tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment se fait-il que tu lui fasses des doigts? C'est pas possible. Non, car tu as oublié Allah subhanahu wa ta'ala et il t'a fait oublier les doigts. Et lorsque le Seigneur, il a dit, tout bien repose dans son agrément. De même que tout malheur et fléau réside dans le fait de le courroucer et lui désobéir. Wallah al-Azim, na'am, c'est vrai. C'est vrai. Tout bien repose dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que tout malheur et fléau réside dans le fait de mettre Allah azzawajal en colère et de lui désobéir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Dans son livre, Zuhd, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, mentionna le récit suivant. Il a dit, je suis Allah. Il n'y a de divinité digne d'adoration que moi. Si je suis satisfait, je bénis. Et ma bénédiction n'a pas de limite. Si je me courrouce, je maudis. Ma malédiction parvient jusqu'au septième enfant. Ceci est un récit du livre et non un hadith. Je suis Allah, il n'y a pas de divinité digne d'adoration que moi. Si je suis satisfait, je bénis et ma bénédiction n'a pas de limite. Si je me courrouce, je maudis et ma malédiction parvient jusqu'au septième enfant. La preuve que ce n'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est seulement un récit des gens du livre. Quelle est la preuve? La preuve qu'il contient quelque chose qui n'est pas vrai. C'est quoi la chose qui n'est pas vraie? Vous avez dû le deviner. C'est quand il a dit, si je maudis, ma malédiction parvient jusqu'au septième enfant. Non. Le premier enfant, le deuxième, même le premier. Le premier enfant, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. C'est quoi leur faute? Mon père s'est trompé. C'est lui qui est maudit. Moi, je n'ai rien à faire avec mon père. Non, il se peut que mon père soit le plus désobéissant à Allah Azzawajal, à son fils, soit le plus obéissant. Ça, le père du prophète, alayhi salam, était un kafir.
et sa mère, la mère du prophète Islam, était une kafira. Et qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont donné le plus pieux. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans le Yukhrijul Hayya min al-Mayyit, wa Yukhrijul Hayya. Il fait sortir du vivant, il fait sortir qui? Le mort. Certains ont dit d'un couple de musulmans, ça peut donner un enfant qui est kafir, le mort. Et il fait sortir du mort le vivant. D'un couple de morts, de kofar, il peut donner un vivant, un musulman. Donc, ça prouve que la fin de ce qui est écrit ici, que ce n'est pas conforme à la charia, yani de Allah subhanahu wa azzawajal. La raison, les textes, la sainte nature et l'expérience des communautés, quelle que soit leur ethnie et leur religion, montrent que le fait de se rapprocher du Seigneur de l'univers, de rechercher sa satisfaction et de faire preuve de bienfaisance envers ses créatures compte parmi les plus grands moyens d'obtenir tout bien. Vous m'entendez pas? Qu'est-ce qui se passe? Vous m'entendez pas? Un, deux, un, deux. Cinq, alhamdoulilah. Je demande à Sam d'afficher seulement, de ne pas se hâter d'afficher avant que je ne lise la chose. Donc je répète cette phrase très importante, très très importante. Écoutez ce qu'il dit. La raison, les textes Coran, la Sunna, la seule nature, c'est-à-dire la prédisposition naturelle, la fitra, comme Allah Ta'ala nous a créé, et l'expérience des communautés, quelle que soit leur ethnie et leur religion, montre quoi? Montre que le fait de se rapprocher du Seigneur de l'univers, de rechercher sa satisfaction et de faire preuve de bienfaisance envers ses créatures, compte parmi quoi? Parmi les plus grands moyens d'obtenir tout bien. Alors que leurs opposés comptent parmi les plus grandes causes de tout mal. De tout mal. On n'a pas obtenu de bienfaits d'Allah, et on n'a pas repoussé son courroux par une chose meilleure que le fait de lui obéir, de se rapprocher de lui et se faire preuve de bienfaisance envers ses créatures. Je dis, en conclusion de résumé de ce qu'il veut dire ici, Ras-el-Mal, vous savez c'est quoi Ras-el-Mal? Capital. Tu demandes à un milliardaire, tu lui dis c'est combien ton capital? Il te dit par exemple 10 millions d'euros. Et toi, c'est combien ton capital? Tu dis par exemple 50 millions d'euros. Masha'Allah, 50 millions d'euros. Est-ce que tu pries? Tu dis, je prie pas. Tu jeûnes? Je jeûne pas. Tu crois en Allah? Je crois pas. Oh, subhanallah. Alors tu vas lui dire, moi, mon capital dans la banque, si c'est permis de déposer l'argent dans la banque, c'est 100 euros. Mais je jure par Allah Azzawajal qui m'a créé et qui a créé les cieux et la mer, les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux, que bi'idhnillahi ta'ala, je suis mieux que toi. Là, toi qui as 20 millions d'euros, 50 millions d'euros, mais en finalité, tu n'as rien. Tu as quelque chose d'éphémère qui va et doit se terminer. D'ici peut-être une minute ou deux minutes, tu risques de mourir et tu vas te trouver éternellement en enfer. Alors, à quoi ça t'a permis d'avoir 30 ou 50 millions d'euros? À quoi ça t'a permis? À quoi ça t'a permis? Demain, on va tous mourir et on va se trouver debout entre les mains. Pour nous faire entrer éternellement en enfer ou éternellement au paradis, il n'y a pas de milieu. Non. À quoi ça va te servir d'avoir dans cette vie des milliards d'euros pour se trouver éternellement en enfer? Donc, le plus grand bien, non. Je répète la phrase ici, il a dit, on n'a pas obtenu de bienfait d'Allah et on n'a pas repoussé par une chose meilleure que le fait de lui obéir, de se rapprocher de lui et se faire preuve de bienfaisance envers ses créatures. Il n'y a pas mieux, non, dans cette vie, mais aussi dans l'au-delà, que celui qui croit, qui fait des choses qui ramène l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas comme s'attirer l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et éloigner le courroux et la colère subhanahu wa ta'ala de nous. C'est ça vraiment le grand cas. Bienheureux celui qui est, qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a aidé à avoir cette chose.
Allah Azzawajal a un livre. La survenue du bien et du mal en ce monde et dans l'au-delà, à l'accomplissement d'œuvres, à la manière de la rétribution liée au respect d'une condition, d'un effet lié à un motif, d'une cause liée à une cause. Maintenant, Ibn al-Qayyim rahimahullah veut montrer, comme on a dit tout à l'heure, il veut montrer ici, yani, des choses, yani, toute chose, yani, entre deux choses, il y a une relation. Ce n'est pas comme ça. C'est comme on dit tout à l'heure, si tu veux la satisfaire, manger. Je sors et je reviens. Beaucoup de. Assalamu alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Une seconde, où est-ce qu'on était? Donc je répète, Allah Azzawajal a lié dans son livre la survenue du bien et du mal en ce bas monde et dans l'au-delà à l'accomplissement d'œuvres. Les choses ne viennent pas comme ça toutes seules. Il faut qu'il y ait des œuvres, non, soit de bonnes œuvres ou de mauvaises œuvres. Les bonnes œuvres, ça donne l'agrément d'Allah et le paradis. Les mauvaises œuvres, ça donne le courroux d'Allah et l'enfer. Non. Et il dit ici, hein, en ce bas monde et dans l'au-delà, à l'accomplissement d'œuvres, à la manière de la rétribution liée au respect d'une condition, d'un effet lié à un motif, d'une conséquence liée à une cause. Il a dit, on trouve cela en plus de 1000 endroits dans le Coran. 1000 endroits dans le Coran. Regardez seulement lorsque Allah Ta'ala a dit dans le Coran, bon, j'ai pas le verset ici avec moi, il a dit, ou un noudou, c'est-à-dire, on va appeler. On va les appeler Wanoudou, Antilkumul Jannatu, on va leur dire, on va l'appeler comme ça, à haute voix, on va dire, et Antilkumul Jannah, que ce paradis, vous l'avez hérité, Bima Kuntum Ta'malun, de ce que vous faisiez. Vous l'avez hérité avec vos œuvres. Et ici, avec vos œuvres, c'est pas. Mais comme on dit, c'est-à-dire que vos œuvres ont été la cause. Voilà ce qu'il veut dire. Sinon, personne ne rentre au paradis si ce n'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu crois que en faisant 5 prières par jour et jeûner un mois dans ta vie, un mois par an, tu vas aller au paradis, tu te trompes. Mais quand même, ces œuvres, naam, sont des causes. Ils font des causes. Ils font des causes. Donc il a dit, on trouve cela en plus de 1000 endroits dans le Coran qui montrent qu'il y a des causes. Parfois la rétribution est liée à la loi universelle et l'ordre religieux adéquate. Comme dans la parole d'Allah Azzawajal, فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Puis, lorsqu'ils se rebellèrent et refusèrent par orgueil d'abandonner ce qui leur avait été interdit, nous leur dîmes soyez des singes abjects. Abjects. Taïb, vous n'avez pas affiché le verset, donc je cherche où se trouve un dé. Taïb, je dois me connecter d'abord. Donc regardez ici ce qu'il a dit. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Puis, lorsqu'ils refusèrent d'abandonner ce qui leur avait été interdit, alors, yani, récompense, rétribution, c'est quoi? Soyez des singes abjects, soyez des singes. Voilà, à cause de quoi? Désobéissance, la cause, il y a toujours une cause. Ici, cause, ils refusèrent de s'éloigner du haram. Conclusion, soyez des singes abjects. Autre verset. Fawzi, réponds-moi si c'est vous qui allez afficher ou bien c'est moi, pour qu'on ne perde pas de temps. Est-ce que j'affiche ou bien je vous attends? C'est vous, d'accord. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَلَمَّا أَسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ.
Puis, lorsqu'ils nous eurent irrités, nous nous vengeâmes d'eux et les noyâmes tous. La noyade ici, elle est venue sans raison. La vengeance d'Allah, nous nous vengeâmes sans raison. Si, c'est quoi? Lorsqu'ils nous eurent irrités, plus que la colère. Et Allah Ta'ala, quand est-ce qu'il s'irrite et se met en colère? Quand la personne lui désobéit, ou bien en délaissant ce qu'il lui a demandé de faire, ou bien en faisant ce qu'il lui a interdit. Donc il y a toujours, il y a une cause à effet, cause à effet. Tayyib. Ensuite, un autre verset. Regardez ici. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Le voleur et la voleuse, à tous deux, coupez la main en punition de ce qu'ils ont, ils se sont trompés ici, de ce qu'ils ont acquis et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. Donc le voleur et la voleuse ici, pourquoi on va leur couper la main? C'est quelque chose en punition. En punition de ce qu'ils ont acquis. Non, ce n'est pas par injustice, mais cause à effet. Ils ont volé, alors leur main sera coupée. Non. À fond, j'ai copié le verset juste que ça s'affiche pas. Je savais que ça n'allait pas s'afficher. C'est pour ça que j'ai préparé, car je savais et je sais que vous n'avez pas un programme qui permet d'afficher comme ça vite. Bi'idhnillah, alhamdoulillah. Et vous êtes excusé, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala. Un autre verset. Regardez ce qu'a dit ici Allah subhanahu wa ta'ala. Inna al-muslimina wal-muslimat, wal-mu'minina wal-mu'minat, wal-qanitina wal-qanitat, wal-sadiqina wal-sadiqat, wal-sabirina wal-sabirat, wal-khashi'ina wal-khashi'at, wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat, wal-sa'imina wal-sa'imat, wal-hafidhina furujahum wal-hafidat, wal-dhakirina Allah kathiran wal-dhakirat, a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Non, les musulmans et musulmanes, les croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses dans le monde, jeûnantes, gardiens de leur chasteté, gardiennes, invocateurs, souvent d'Allah invocatrice, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Une femme est venue, certaines femmes sont allées au prophète et lui ont dit pourquoi dans le Coran, et ça parle toujours d'hommes. Non. Alors, Allah Ta'ala fait descendre ce verset. Les musulmans, musulmanes aussi, croyants, croyantes, obéissants, obéissantes, loyaux, loyales, endurants, endurantes, le craignant, la craignante, le donneur, la donneuse, comme ça, le jeûnant, la jeûnante, celui qui garde sa chasteté, celle qui garde, l'invocateur et l'invocatrice. Tout cela auront, Allah Ta'ala leur a préparé une énorme récompense. Donc, Allah Ta'ala leur a préparé une énorme récompense. Pourquoi? Il a bien cité qu'il y avait des causes. Croyants et croyantes. Musulmans, musulmans. Naam. Et ils obéissent, obéissantes. Ils sont loyaux et loyales. Ils endurent, elles endurent. Ils se montrent humbles. Elles sont humbles. Ils donnent l'aumône, elles donnent l'aumône. Ils jeûnent, elles jeûnent. Ils préservent chasteté, elles préservent. Ils invoquent Allah, elles invoquent. Donc il y a toujours des causes qui ont donné quoi? Qui ont donné l'effet qui est quoi? Allah Ta'ala a préparé un pardon et une immense récompense. Et les exemples similaires sont très nombreux. D'autres fois, Allah Azzawajal lit cela à la manière de la condition et de la rétribution. À la manière de la condition et de la rétribution. Quand une parole, lorsque Allah Ta'ala a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Regardez. Oh vous qui croyez, si vous craignez Allah Azza wa Jal, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal, vous effacera vos méfaits et vous pardonnera. Et Allah est le détenteur et de l'énorme grâce. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a mis une relation de quoi? De condition. De condition. Oh, vous qui croyez, si, il y a une condition. Si vous craignez Allah, voilà l'effet. L'effet, c'est quoi la récompense? Regardez pour celui qui craint Allah. Récompense,
Allah Ta'ala va lui donner la faculté de discerner entre le bien et le mal, entre la sunna et la bid'a, entre ce qui attire l'agrément d'Allah, ce qui attire la colère d'Allah. Ça dépend de quoi? De, il a dit, si vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que ça donne? Ça donne comme une passoire dans le cœur qui te permet de filtrer et de discerner entre le bien et le mal. Celui qui craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, tu trouves que quoi? Il a un cœur, yani aveugle. On a vu la fois passée que le cœur avait un œil ou bien deux yeux. Non. Celui qui voit pas avec le cœur ne voit rien, même s'il voit avec ses yeux. Et celui qui voit avec son cœur, même s'il est avec des aveugles des yeux, alhamdoulillah, c'est lui le vrai voyant. C'est pas celui qui voit seulement avec ses yeux. Vous avez compris? Or, pour voir avec le cœur, il faut quoi? Il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, plus il te donne une force dans le discernement entre le bien et le mal. Masha'Allah. Et celui qui craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, il fait plein de choses qui sont mal et il sait même pas. Jusqu'à ce que tu lui dises, tu lui dis, tu sais pas que ça c'est haram. Ah oh là, je savais pas. Ah oh, moi je croyais ceci, à cela. Ah pourquoi? Il craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, il va te donner quelque chose dans le cœur, une lumière, Allah, avec laquelle tu peux discerner. Entre ça se fait, ça se fait pas. C'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim, il a dit, oh vous les croyants, si vous craignez Allah azzawajal, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal. Hadith, c'est la première des choses et c'est la meilleure. Et ensuite, vous effacera vos méfaits. Deuxième des choses, la crainte d'Allah azzawajal, ça va t'effacer tes péchés. Troisième, il te pardonnera quand tu vas le rencontrer demain, Yawm al-Qiyamah. Il te pardonnera quand tu vas le rencontrer demain, Yawm al-Qiyamah. Et le détenteur de l'énorme grâce. Masha'Allah, la quwwata illa billah pour celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit. Pardon. Il a dit aussi, fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fi ad-din. Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit tout à l'heure, des fois il met des conditions. Ici il a dit, si vous croyez, dans ce verset il a dit, regardez, il a dit, mais s'ils se repentent et acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. Si, il y a toujours cette condition. S'ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat. S'ils font ces trois choses, alors ils deviendront la récompense maintenant. Alors ils deviendront vos frères en religion. Comme on a dit, ça y fait. La cause, c'est quoi? Ils se repentent. La salat et donnent la zakat. Et fait, alors ils deviendront vos frères en religion. C'est pour montrer que, yani, le Coran est plein de versets qui montrent yani, la relation cause à effet, contrairement aux soufis et aux égarés, etc., qui disent qu'il n'y a pas la relation cause à effet. Si Allah Ta'ala veut que tu ailles au paradis, tu iras au paradis même si tu passes ta vie dans un bar. Non. Tu passes ta vie dans une église, tu iras au paradis. Et si Allah Ta'ala n'a pas écrit que tu ailles au paradis, même si tu pries jour et nuit et tu vas 30 fois au Hajj, tu n'iras pas au paradis, comme ça il pense. Il n'y a pas cause à effet. On dit, vous êtes des menteurs, le Coran, plus de 1000 versets qui parlent de relation cause à effet. Ensuite, il a dit aussi, autre chose aussi, qui prouve que, ici, on est en train de parler de la condition. Que Allah Ta'ala, des fois, met des conditions et il dit, si vous remplissez telle condition, vous aurez tel effet. Il a dit aussi, regardez ici ce qu'il a dit. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. Et s'ils se maintiennent, et s'ils se maintenaient, ou bien se maintiennent sur le droit chemin, alors, il vaut mieux ils se maintenaient, nous les aurions abreuvés, certes, d'une eau abondante. Subhanallah. S'ils se maintiennent, ou bien se maintenaient sur le droit chemin, alors, l'effet, c'est quoi? La cause, c'est de se maintenir des rafales.
dormir sur le droit chemin. Et une bonte. Et parfois, Allah Azzawajal utilise la lettre le L en arabe li qui introduit le but. Le but. Comme lorsqu'il a dit dans le Coran ici, regardez ce qu'il a dit. Kitab ilayk barakum. Pourquoi? Li. Le li ici. Liyadabbaru. Voilà le but. Liyadabbaru ayatih. Deuxième but. Waliyatadhakkara ulul albab. Un livre béni que nous avons fait descendre vers toi. Pourquoi? Afin. Voilà le but. Lis, afin qu'il médite sur ces versets et afin que les doués d'intelligence réfléchissent. Donc, il te montre que le livre béni, que Allah t'a fait descendre, c'est pas il l'a fait descendre pour le faire descendre. Mais il a des effets, yani pour des buts spéciaux. Entre autres, il a cité ici deux, afin qu'il médite. Donc, le Coran n'a pas été descendu juste par cœur. Alif lam mim dhalika kitabun la rayba fih jusqu'à la fin. Pardon, qu'est-ce que tu es en train de dire? Explique-moi un peu. Ah, moi, je connais rien du d'essence. Je sais, mais je vais citer du début à la fin, sans me tromper. À quoi ça sert? Quoi ça sert? Donc, quelle est la différence entre toi et mon perroquet auquel je vais apprendre tout le Coran? Quelle est la différence entre toi et lui? Ta'ala veut montrer, il a dit, voilà un livre, nam. D'ailleurs, quand vous écrivez quelque chose, je perds le verset. Donc, voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite. Donc, le vrai but du Coran, c'est de méditer ces versets. Lire, naam, et méditer. Naam, lire et méditer. Il a dit, et que les doués d'intelligence réfléchissent. Naam, car celui qui n'a rien dans la tête, il ne va pas réfléchir. Il va lire, c'est tout. Mais celui qui est doué d'intelligence, par exemple, celui qui connaît bien l'arabe, s'il n'est par exemple la physique, s'il va tomber sur des versets qui ont rapport avec la physique, il va s'étonner. Celui qui est par exemple gynécologue, s'il va lire les versets de comment Allah Ta'ala a créé le bébé, etc., il va s'étonner, il va réfléchir, il va s'étonner. Et comme ça, celui qui est avec les étoiles, etc., comment il s'appelle avec. C'est pas, j'allais dire volcanologue, les vulcans, astronomes, les astronomes, etc. Il va lire ce que Allah Ta'ala a dit dans le Coran. Subhanallah, il va citer, il va dire Allahu Akbar. Regardez seulement le verset lorsqu'il a dit dans le Coran, par exemple, Wa sama'i wa tariq, wa ma adraka ma tariq, an-najmu thaqib. Tariq, c'est qui? Wa sama'i, Allah Ta'ala jure par le ciel. Wa sama'i, je jure par le ciel, wa tariq. Tariq, c'est qui? Quand quelqu'un frappe à la porte de nuit, on dit c'est un tariq. C'est pour ça, dans le hadith du prophète islam authentique, il disait A'udhu billah min sharri tariq, ou min sharri, ou min kulli, yani sharri tariq. Il demandait à Allah Ta'ala de le préserver, que quelqu'un vienne frapper la nuit, quelqu'un de mal. Parce qu'en principe, celui qui vient la nuit, quand on dort, frappe à la porte, quelqu'un de mal, surtout autre. Allah Ta'ala jure, je jure par le ciel et par celui qui frappe la nuit, et qui peut te dire, c'est quoi le tariq, c'est quoi celui qui frappe la nuit? Un najm, thaqib, je ne sais pas comment on dit en français, mais quelle est la relation entre celui qui frappe la nuit à la porte et Allah Ta'ala parle de. Et ça, on cherchait, pourquoi on parlait d'astronomie? On cherchait, on trouvait qu'il y avait, parmi une étoile spéciale qui, seulement la nuit, pas le jour, elle frappe comme on frappe à la porte. Toc, toc, elle s'arrête un peu. Toc, toc, elle s'arrête un peu. Toc, toc, elle s'arrête un peu jusqu'au matin. Allahu Akbar. Allah. Imaginez maintenant. Quelqu'un, un physicien ou un astronome là, qu'il découvre. Il dit, voilà, j'ai découvert une étoile qui, toute la nuit, frappe comme on frappe à la porte. On lui dit, tu as découvert ça maintenant. Non, on l'a découvert, ça fait
15 000 ans ou là, 1 500 ans ou là. Tu dors, toi, tu dors. Tu dors. Si tu étais venu au Coran, tu l'aurais découvert il y a 1 500 années ou quelque chose comme ça. Tu es en train de dormir, toi. Réveille-toi. Toi, il faut qu'on vienne à ta porte frapper pour que tu te réveilles. El-Mouhim, qu'est-ce qu'il a dit ici? Dans un autre verset, qu'est-ce qu'il a dit? Dans... Où est-ce qu'on est? Non. Autre verset. Regardez ce verset. On parle toujours maintenant, Allah Ta'ala parle toujours de le lam, li, afin que. طيب وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون عليكم شهيدا. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes. Alors, pourquoi? Afin que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. Afin que vous soyez témoins aux gens. Comme le messager sera témoin à vous. Yawm al-Qiyamah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala fera venir toutes les créatures, il commencera par les messagers. Est-ce que vous avez, yani, propagé ce que je vous avais demandé de propager, c'est-à-dire la risala, le message, etc. Il commencera par Nuh alayhi salam. Vous savez que Nuh, c'est le premier messager. Il va lui dire, Ya Nuh. Est-ce que tu as propagé ce que je t'avais dit propager? Il va dire, Naam, Yarbi, j'ai propagé et j'ai fait yani, ce que je pouvais faire comme effort. Naam. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala va demander à sa nation, la nation de Nuh, alayhi salam. Naam. Va lui dire, Allah ta'ala va leur demander, est-ce que Nuh a propagé? Ils vont nier. Ils vont dire, non, il nous a rien propagé. On n'a jamais entendu quelque chose de lui. Il cherche l'excuse, on est excusé. Noé ne nous a rien dit. Il s'est enfermé dans sa maison, on ne nous a jamais dit une chose. Alors que vous savez, dans le Coran, sur Noé, combien qu'il a pleuré, il a dit que je leur ai fait la da'wa le jour, la nuit, comme ça, yani en cachette, devant tout le monde. Personne n'a répondu, sauf quelques-uns. Alors ceux-là, les Noirs, alors ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire non. Alors, Allah subhanahu va lui dire, est-ce que tu as un shahid? Tu as quelqu'un qui peut témoigner que tu as fait la da'wah, tu as propagé? Il va dire, Naam. Ummat Muhammad, la communauté de Muhammad. La communauté de Muhammad. Alors, la communauté de Muhammad viendra et témoignera, parce qu'on a lu ça dans le Coran, qu'il a fait beaucoup d'efforts pour propager. Et on va témoigner, on va dire, Naam, ya Allah. On a lu dans le Coran et on témoigne exactement comme nous avons fait de vous une communauté de justes. Soyez témoins aux gens. Soyez témoins aux gens. Demain, on sera témoin pour Nuh alayhi salam, naam, comme quoi il a propagé. D'autrefois, c'est la locution. Kei, qui introduit, qui est usité. Comme dans lorsqu'il a dit dans le Coran, Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura, falillahi wa lil-rasul, wa lil-qurba, wa lil-yatama wa al-masakin ibn sabil, kei la yakuna dawlatan bayna al-aghniya'i minkum. C'est-à-dire, le butin provenant des habitants des cités, après la guerre, qu'Allah Ta'ala a accordé sans combat à son messager, appartient à qui? À Allah, au messager, aux proches-parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Voilà le témoin, il a dit, afin que, il y a toujours une cause, il y a une relation, afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Le but, hein, Allah Ta'ala a dit, il faut le donner, le partager entre, il a dit, il appartient à Allah, on donne une part. Allah subhanahu wa ta'ala, on met de côté ça. Par exemple, on donne une partie aux messagers, une partie du butin aux proches parents, une partie aux orphelins, aux pauvres voyageurs et aux voyageurs en détresse à fond. Pourquoi tout cela? Afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Le butin va être partagé seulement entre les riches, alors il y a toujours seulement
une frange de la société qui est toujours riche et les autres toujours pauvres. Maintenant, non, le butin doit être cette année distribué de façon légale entre 4 ou 5 franges de la société, entre autres les orphelins et les pauvres. Naam. D'autres fois, c'est la lettre B, qui indique que la conséquence qui est usitée, comme dans l'Abdallah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit dans le Coran, ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Cela, c'est-à-dire le fait d'être ou d'avoir la colère d'Allah, à cause de ce que vos mains ont accompli antérieurement, car Allah ne fait point de tort aux serviteurs. Naam. Alors, je dis, tout ce qui nous arrive, c'est à cause de ce que nos mains ont accompli. Allah jamais ne fait de tort à un serviteur. Allah ne nous ne fait que du bien. Matin au soir, du bien, du bien, du bien. C'est nous qui nous nous faisons du tort en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors après, il nous punit. Quand il nous punit, nous on va dire pourquoi il nous a donné ceci, pourquoi il nous a puni. Je ne t'ai puni que à cause de ce que ta main a accompli. C'est toi qui m'a demandé de te donner la punition. Tu as fait ce que je n'aime pas. Je t'ai dit de ne pas faire. Et maintenant tu dis pourquoi je te donne la punition. Il y a une relation entre la désobéissance et la punition. Dès que tu touches la désobéissance, tu es touché par la punition. Ça vient comme ça. Non. Donc il faut jamais dire que c'est Allah Ta'ala qui m'a fait du tort. Ensuite, comme il a dit aussi dans un autre verset, il a dit, il Allah et moi jami'an, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bi, on est en train de parler du bi. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maïda 105. C'est vers Allah que vous retous. Alors, il vous informera bi de ce que vous faisiez. C'est vers Allah que vous retournerez tous. Alors, il vous informera de ce que vous faisiez. La phrase, c'est vers Allah que vous retournerez tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un, là, qui peut avoir yani, un peu de piston, par exemple, s'il est milliardaire ou s'il est général ou qu'est-ce qu'il est, là, pour qu'il puisse faire quelque chose pour ne pas retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'une fois j'ai vu à la télé une chose yani, qui m'a fait un peu rire. Parce que c'est un djihad miskin qui a fait ça. Des koufars, c'est-à-dire un homme, son épouse est morte. Alors, c'est un docteur Tibet ou le Tibet ou le Tibet. Donc, les. Des sortes d'Indiens, ils ont les yeux tirés comme ça, qui vivent second, comme les Indiens. Le Tibet, voilà, ils vivent comme des Indiens. Ils ont le bras. Non, son épouse est morte, les Tibétains, voilà, son épouse est morte, il l'a momifié, je ne sais pas ce qu'il lui a mis comme produit, il l'a momifié, et il a comme ça une table comme ça, avec quatre pieds, une petite table, il a. Mais il a couverte de osmo de comment ça s'appelle la vitre sjedj, de glace si je puis dire c'est pas glace sjedj, hein? Donc de verre il a couverte de verre voilà de verre yani assez gros comme ça disons incassable hein? Et elle est toujours là devant ses ça fait des années donc en train de la voir donc pour lui donc il l'a maintenue pour qu'elle n'aille pas. Il dit, celle-là, elle reste toujours là, tant qu'elle ne retournera pas vers Allah. S'il y a Allah pour lui, Allah même s'il y a. Non. Est-ce que c'est vrai ça? C'est pas vrai. L'essentiel, c'est quoi? Est-ce qu'il peut tenir son âme? Est-ce qu'il peut retenir son âme? Son âme est déjà chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Son âme est déjà donc dans la tombe. Dans la tombe. Même si elle est toujours dans la, son corps et dans la maison. Mais son âme est dans le barzakh, ce qu'on appelle barzakh,
entre les mains d'Allah et entre les mains des anges, etc. Donc, c'est vers Allah que toute personne va revenir, qu'elle le veuille ou pas. Non. Donc, je suis obligé d'y revenir. Pourquoi ne pas me préparer dès maintenant? Non. Si j'avais le choix entre revenir et ne pas revenir, d'accord, et je choisis ne pas revenir, d'accord. Mais maintenant, je n'ai pas le choix. Tout le monde doit revenir et rendre l'amana. L'amana, c'est l'âme que tu as dans notre corps. Cette amana, on doit la rendre à Allah subhanahu. D'ailleurs, même le corps, on doit le rendre. Parce que Allah ta'ala va recréer de nouveau. Le même corps, il ne va pas créer un autre corps. Ce même corps, il va le recréer de nouveau. Je disais, donc, autant se préparer. Autant se préparer à ce jour, puisque nous tous, on doit revenir là-bas. C'est pour ça que Allah Ta'ala a dit, même au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, innaka mayitun wa innahum mayitun. Il a dit, tu dois mourir et ils mourront. Et dans un autre verset, il lui a dit, wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld, afa in mitta anta fa humul khalidun. Il a dit, on n'a pas fait à quelqu'un avant toi, ya Muhammad, l'éternité. Ensuite, il lui a dit, et si toi tu vas mourir, est-ce que eux, ils resteront éternels? C'est-à-dire, c'est pas logique. Comment si toi, la meilleure des créatures, je vais te faire mourir? Donc, eux, qui sont pas les meilleures créatures, croient-ils qu'ils vont y rester éternellement? C'est-à-dire, si quelqu'un devrait rester éternel, ce serait toi, ya Muhammad. Pas les autres. Mais toi, tu vas mourir. Donc tout le monde va mourir. Tout le monde va mourir. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit Alhamdoulilah. Vous m'entendez? On dit Alhamdoulilah. 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 Le jour inouï. Pourquoi? Vous savez quoi? Qu'on ne soit pas mort. Naam. Imagine que tu sois mort dans ta perdition. Qu'on ait été avec. Les bars et les decks et la drogue et même le coffre. Tu étais même peut-être dans la mécréance. Imagine que tu sois mort. Imagine. Je donne un exemple, c'est tout. Je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Yani, que je voyais presque chaque soir. Il est mort dans un bar, frappé avec un couteau. Un couteau dans le ventre, dans un bar. Donc, pourquoi cette personne est morte? Dans le bar, frappé avec un couteau, et moi je suis vivant en face de vous, en train de faire un cours sur le dîn. Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Il y a une grande ni'ma ici. Pourquoi moi je ne suis pas mort? Pourquoi vous n'êtes pas mort et vous êtes là où vous priez, vous lisez le Coran, vous, alors que des milliers de gens sont morts, sans y aller peut-être. Yani avoir réfléchi à ce pareil, sans avoir prié, sans avoir dit bismillah avant de manger, sans une chose. Chauffe, on est vivant avec la ni'ma, la grande ni'ma. Maintenant, tu termines le cours, tu t'assois, tu dis Alhamdoulilah, la ilaha illallah, ou bien tu vas prier, ou bien tu vas faire les ablutions, ou bien un regarde Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que tu ne sois pas mort. C'est pas seulement ne pas être mort. Tu peux ne pas être mort et être, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la perdition. Mais d'un côté, tu n'es pas mort et de l'autre, tu es sur le droit chemin. Bi-idni Rabbi. Tu es à la sirat al-mustaqim. Bi-idni Rabbi. Tu suis le chemin d'Allah. Bi-idni Rabbi en faisant des efforts. Ça, c'est pas une ni'ma. C'est une ni'ma. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala jour et nuit, jour et nuit. Et ça suffit pas. Non. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Non. Donc on est en train de parler de la locution bi, à cause du bi. Regarde ici ce qu'il a dit. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. Et ainsi, accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres. À cause de ce qu'ils ont dit. Il y a toujours une cause. Pourquoi des fois Allah Ta'ala frappe cet injuste
avec l'autre injuste. Il frappe celui-là avec celui-là. Injuste contre injuste. Pourquoi? Il a dit, à cause de ce qu'ils ont acquis. Il y a une cause. Ce n'est pas qu'Allah Ta'ala est injuste, ma'adallah. Mais eux qui sont injustes. Et eux, ils font des choses qui sont pas bien. Ils me désobéissent. Alors je frappe celui-là contre celui-là. Là, il a dit aussi, dans un autre verset, وباءوا بغضب من ضربت عليهم الذلة عفوا وضربت عليهم المسكنة Pourquoi? ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله آل عمران 112 Donc, ils ont encouru la colère d'Allah et les voilà fait de mal pour n'avoir pas cru au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est en face de toi, derrière toi, à ta droite, gauche, regarde, tout ça, ce sont des signes d'Allah. L'arbre, là, qu'est-ce que tu vois en face de toi? Il y a un arbre. L'arbre, c'est un signe d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Lève les yeux vers le soleil, c'est un signe d'Allah. Comme un ballon comme ça qui pèse des millions de tonnes, je ne sais pas, et qui n'est relié ni par ficelle, ni par rien, et ni qui repose sur des piliers, ni rien, qui ne tombe pas. Jette-toi un ballon, tu vois s'il doit pas retomber. Et celui-là, lourd comme ça, le soleil, il tombe pas. Il marche toujours vers la même destination. Jamais il se trompe, jamais. Toujours de l'est vers l'ouest, de l'est vers l'ouest. Jamais il se trompe. Ça, c'est pas un signe. Les montagnes, les montagnes, comme Allah Ta'ala les a mis comme ça, yani pour que la terre ne bouge pas, car la terre est ronde. Même si on commence à marcher dessus, elle commence elle aussi à bouger, à tourner. Donc, il lui a assis des montagnes, comme il a dit donc, c'est comme, il a dit, c'est-à-dire ancré, l'ancre. C'est comme le bateau, quand il arrive au port, il jette l'ancre. Pourquoi? Pour qu'il ne bouge plus. Il reste dans le même endroit. La même chose, les montagnes, subhanallah, la mer. Tu vas à la mer. Tu regardes cette mer, yani, ça fait peur. C'est beau et quand il y a le c'est démonté, ça fait vraiment peur. Ça montre la colère d'Allah. Tout est plein de signes d'Allah et de versets. Alors tu vis toi 60, 70 ans, tu meurs. Tu ne sais pas que Allah Ta'ala a existé. Alors qu'en toute chose, il y a un signe de lui. Un signe. Ce n'est pas la peine d'Allah qu'il se montre. Il t'a montré tous les signes. C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Et en vous-même, il a dit, ne voyez-vous donc pas, afala tubsirun. Tu es aveugle, tu vois pas en toi-même comment Allah Ta'ala t'a créé, t'a perfectionné. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, si seulement il t'avait donné, il te donne, par exemple, essaye et je te donne la possibilité ou la capacité de créer, même si ça se fait pas, c'est juste un exemple. Et tu n'as jamais vu un être humain. Tu dis créer un être humain. Tu l'aurais créé ainsi? Hein? Tu l'aurais créé ainsi? Peut-être que tu lui aurais donné un seul œil sur le front. Moi, je lui donne un œil pour qu'il voie sur le front, comme ça. Et le nez, tu aurais mis deux trous seulement. Il n'y a pas quelque chose, un nez comme ça. Bon, machallah. Deux trous comme ça dans le visage. Et peut-être la bouche au milieu de la tête. Au milieu de la tête. La tête. Et laisse les choses, yani les mains, les doigts. Tu aurais pensé aux ongles. Aux ongles. Hein, pour que les doigts ne se frottent pas. Et ensuite, yani les jambes. Ensuite, yani les orteils. Tout ça, c'est quoi? C'est l'apparent. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'être humain? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'en est-il maintenant si on va parler des veines, Allahu Akbar? Combien qu'il y a de nerfs et de veines à l'intérieur du corps qui font circuler le sang? Des milliers, des milliards qui s'entrecroisent et montent au cerveau, vont dans les pieds, vont dans toutes les parties. Subhanallah, yani l'être humain vraiment juste dans la médecine donc génération une partie du corps ou bien il est généraliste le médecin ou bien il est généraliste
il ne connaît qu'un petit peu de chaque chose, ou bien il est spécialiste, mais en une chose, c'est tout, il ne peut pas. Il ne peut pas dans toutes les choses. Et combien de choses, jusqu'à présent, les spécialistes n'ont pas de réponse. Que dit ça, on ne sait pas comment ça fonctionne. On est peut-être dans 100 ans, dans 200 ans, inchallah, ta'ala, on va comprendre les choses. Je pense, beaucoup plus, je pense à la femme. La femme, subhanallah, comment elle vit comme nous, elle nous ressemble, elle mange comme nous, dort comme nous, mais elle a cette possibilité d'avoir, Allah Ta'ala, un bébé dans son ventre. Voire 2, 3, 4, 5, 6, il y en a qui ont jusqu'à 7, 8 bébés des fois à la fois. Subhanallah, nous parlons d'un seul, un bébé. Je parle de son ventre. Comme ça commence à grandir jusqu'à ce qu'il devienne un bébé, jusqu'à subhanallah, dans son ventre. Ajib, vraiment la femme, yani, c'est quelque chose de ajib qu'Allah a créé. Une usine parfaite, Allah l'azim, parfaite. Non. Et donc tous ces signes, et la personne te dit, moi je crois pas en Allah. On est venu comme ça. On est venu comme ça, non. Tout seul, moi je suis venu comme ça. Mon père et ma mère m'ont créé. Subhanallah l'azim. Sans parler de la nature. Sans parler des fleurs. Combien qu'il y a de fleurs? Non. Des centaines de fleurs différentes, aux odeurs différentes. Quand je vois la rose, y a des fleurs comme les. Si on a. Non. Si on a une coupure dans le bras, la peau repousse tout seul. Qui peut te faire repousser la peau? C'est pas là. Je disais les fleurs, c'est pas là, il y a des roses, couleur rose. Ensuite, la couleur rouge. Ensuite, couleur jaune. Des roses mais qui ont une couleur jaune. Ensuite, il y a le coquelicot. Et des tulipes. Il y a des fleurs d'une beauté. Qui montrent quoi? Qui montrent tout simplement la beauté du Seigneur. Pourquoi Allah Ta'ala donne toutes ces beautés d'oiseaux? Des centaines d'oiseaux, tu t'étonnerais à voir certains oiseaux, tu t'étonnerais. Comment un seul oiseau a trois, quatre couleurs différentes? La tête avec un bleu et du rouge, ensuite sous les ailes, il y en a du vert, ensuite la queue rouge, et des choses étonnantes. Des choses étonnantes, des beautés, il y en a super beautés. C'est ce qu'on a vu, on a vu. Il y a mille choses qu'on n'a pas vues. Tout ça pourquoi? Pour te dire, si la création, des créatures, peuvent être aussi belles, qu'est-il du créateur? Qu'en est-il du créateur? Naam, c'est ça la hikma de la beauté qu'Allah Ta'ala nous montre et qu'on voit tout le temps. Pourquoi? Pour que tu saches alors, tu dises, qu'en est-il du Seigneur Azzawajal? إن الله جميل يحب الجمال نعم كل الله في الله سبحانه وتعالى يعني نزيد أسكون نفوا يوم القيامة في القرآن إلى دين فإن لم يكون لين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء بوكوا أن ألا maintenant il parle de أن D'autres fois, c'est un complément circonstanciel de but, mais fouli ejdihi. Apparemment, qui est usité comme dans la parole d'Allah Azzawajal. Fa'in lam yakuna rajulaini, fa rajulun wa mara'atani mimman tardawna min shuhada. Pourquoi? An tadilla ihdahuma, fa tudhakira ihdahuma al-ukhra. Allah Ta'ala dit, Baqara 282, et à défaut, pour le témoignage, il faut deux hommes. Sinon, un homme et deux femmes. Pourquoi deux femmes? Il a dit, en sorte que si l'une d'elles s'égare, qu'est-ce que ça veut dire s'égare ici? Oublie. L'autre puisse lui rappeler. Quelle est la preuve que égarer ici veut dire oublier? La preuve, c'est que Allah Ta'ala a dit après cela, il a dit, l'autre puisse lui rappeler. Il a employé le verbe rappeler, yani, en face de s'égarer. Donc s'égarer veut dire oublier. Et son contraire ici, c'est se rappeler. Donc pour montrer que la femme oublie plus que l'homme. Plus que l'homme. Mais elle a ses problèmes. Elle est excusée si elle oublie. Mais, il y a un témoignage. Si jamais une oublie, alors l'autre lui rappelle. L'autre lui rappelle.
Certes, on citait, j'ai lu une fois, j'ai oublié dans le livre, un juge, a fait rentrer, yani, a dit où sont les témoins. On lui a dit il y a deux femmes. Il a dit d'accord. Alors mettez chaque femme dans une chambre. Normalement, quand c'est deux témoins, on met chaque témoin dans une chambre. On ne les met pas ensemble. On se mettre d'accord pour dire, pour mentir, vous avez compris. Donc je mets un témoin dans une chambre, je lui pose des questions. Ensuite je vais chez l'autre, je lui pose des questions. Donc le juge a dit aux femmes, il a dit aux deux témoins qui étaient des femmes, il a dit séparez-les. Ensuite a dit monsieur le juge, excusez-moi, mais on doit être ensemble. Il a répondu ah oui, pourquoi vais-je vous mettre ensemble? Elle lui a dit, Allah Ta'ala dit dans le Coran, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse la lui rappeler. Et pour qu'elle me rappelle, il faut qu'elle soit avec moi. Ah, le juge s'est tu et a compris que cette femme avait vraiment du fiqh, vraiment connaissait la charia. Il va dire, Allahu Akbar, je ne savais pas que c'était comme ça. Ah. Taïb, un autre verset. Allah Subhanahu wa Ta'ala dit, أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين Voilà la cause. Afin que vous ne disiez point يوم القيامة vraiment on était distrait et nous n'y avons pas fait attention. Donc la personne qui était distraite dans cette donnée n'a pas d'excuse yom al-qiyama. Là, j'ai pas fait attention, j'étais distrait, j'étais dans la discothèque, je savais pas ce qui se passait. Tu n'as pas d'excuse. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la raison. Ça que le fou, il va pas le faire entrer en enfer. Donc toi, puisque tu as la raison, et encore la raison, normalement, ça suffit. Et là, dit Allah ta'ala ma'alish, la raison, ça suffit pas. Je vais leur envoyer un messager. Et avec le messager, un livre. Non. Un livre explicite qui montre tout. Et le messager qui va te montrer sa sunna et sa tariqa. Et ensuite, Allah Ta'ala a fait de sorte qu'il y ait des savants. Dans chaque époque, il y a des savants. Et ensuite, tu dis, Yawm al-Qiyamah, ya Allah, vraiment, j'ai pas fait attention. Je ne savais pas que la prière était obligatoire. Et Allah, j'ai pas fait attention. Je ne savais pas que la femme devait se voiler. J'ai passé ma vie mutabarrija comme ça, à montrer mes cheveux dans la rue et mes jambes pendant 20 ou 30 ans ou 40 ans. Je ne savais pas que c'était haram. La personne, comme vous savez, n'a pas d'excuse de dire j'étais distraite. Et dans un autre verset, il a dit, Antaqulu, innama unzila ta'ifatayn min qablina. Presque la même chose. Afin que vous ne disiez pas Yom Kiyam, on a fait descendre le livre que sur deux peuples avant nous. Non, on n'a pas fait descendre le livre sur nous. On l'a fait descendre sur deux peuples avant nous. Le peuple de Isa alayhissalam et le peuple de Moussa. On n'a pas fait descendre sur nous. La Ta'ala dit, c'est pas vrai. J'ai fait descendre le livre sur vous, justement pour que vous ne disiez pas ça Yom Kiyam. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Aussi, il a dit, فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسُوَّهَا. Cause à effet, c'est quoi ici? Mais ils le traitèrent, le messager de menteur, tuèrent la chamelle, leur s'inquisit donc pour leur péché. Pour leur péché. C'est-à-dire, il y a quelque chose. Cause à effet. Péché. Ils tuèrent la chamelle. Allah Ta'ala pense, qu'est-ce qu'il a fait? Destruction. Il les détruit. Et il montre, je ne vous ai pas détruit injustement, mais pour vos péchés. Il y a des péchés. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il a dit, فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ. C'est-à-dire, ils désobéirent au messager de leur Seigneur, celui-ci donc les saisit,
d'une façon extrêmement violente. Donc, de la part des hommes, désobéissance au messager, de la part d'Allah, saisissement d'une façon extrêmement violente. Il n'y a jamais d'injustice. Jamais Allah Ta'ala ne commet d'injustice. Jamais Allah Ta'ala ne détruit un peuple s'il est droit, s'il est sur le droit chemin. Comme il dit, on m'a zalamnahum, walakin kanuhumu zalimin. Et beaucoup de versets en ce sens. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit aussi? Pour montrer cause à effet. Fakildabuhuma. Fakan. Il les traitèrent tous deux de mort. Donc, voilà le péché qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'il y a comme récompense ou bien punition? Ils furent donc parmi les anéantis. Ils furent donc parmi les anéantis. Est-ce que s'ils les avaient cru et les avaient suivis et ne les traitèrent pas de menteurs, est-ce qu'il y aurait eu la fin du verset? Ils furent donc parmi les anéantis? Non. Il y aurait eu. Ils furent donc parmi les bienheureux. Non. Allah Ta'ala dit aussi. Puis, lorsqu'ils nous eurent irrités, courroux, ensuite il y a l'irritation. Lorsqu'ils nous eurent irrités, SFUNA, nous nous vengeâmes d'eux et les noyâmes tous. Donc Allah Ta'ala s'est vengé d'eux et les a noyés parce qu'eux, ils ont fait quelque chose. C'est quoi? Ils ont irrité Allah Subhanahu wa Ta'ala et l'ont mis en colère. Et Allah Ta'ala ne se met en colère que si on lui désobéit, pas lorsqu'on lui obéit. Il a dit aussi, l'Anbiya, فاستجبنا له وأصلحنا له زوجة إنهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الأنبياء 90. الله تعالى parle de Zacharia lorsqu'il a demandé à Allah que de lui donner un enfant parce que et qu'il était le meilleur des héritiers. Allah Ta'ala a répondu, nous l'exaucons et lui donnons Yahya. Il guérit son épouse qui était malade. Donc vous voyez, ni médecin, ni spécialiste, ni hôpital. Nous guérîmes son épouse. Pourquoi? Doua, il a fait des doua. Ensuite, pourquoi Allah Ta'ala va montrer pourquoi nous l'exauçons et pourquoi nous lui donnons un enfant alors qu'il n'avait pas d'enfant et sa famille était stérile et pourquoi nous guérîmes son épouse? Pourquoi? Ils s'empressaient de faire le bien et nous invoquaient par amour et par crainte. Et ils étaient devant nous. Wakanulana nous, ils s'empressaient de faire le bien. Et nous invoquaient. C'est l'adoration. Nous invoquaient comment? Par amour et par crainte. Les soufis, les égarés et ceux qui les suivent disent que nous, on ne fait pas de commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, j'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il me fasse entrer au paradis, ni pour qu'il me fasse éloigner de l'enfer. Ça, c'est l'adoration des commerçants. Moi, j'adore Allah en lui-même, parce qu'il mérite d'être adoré. On lui dit, tais-toi, menteur, Dajjal. Tais-toi, menteur, égaré, égareur et Dajjal. La preuve, regarde seulement ce verset. Allah Ta'ala est en train de parler des messagers de Zachariah et des autres. Ils s'empressaient de faire le bien et nous par amour, par crainte, par amour qu'on les fasse rentrer au paradis et par crainte qu'on les fasse entrer en enfer. Donc, ils ont peur de l'enfer. Et toi, tu dis non, j'adore Allah pour lui. Donc, toi, tu es mieux que Zachariah et les messagers. Que Allah subhanahu wa ta'ala Yani, te rétribue de ce que tu mérites. On continue, Inch'Allah Ta'ala. Il reste quelques versets, peut-être deux, trois. Inch'Allah Ta'ala. Oh, plus, hein, plus. Mouhim, tout cela, Ibn Qayyim, c'est pour montrer, comme on dit tout à l'heure, qu'il y a des causes et des effets.
On va aller un peu vite, Inch'Allah ta'ala. Innahum kanu qawman saw'in fa'arin. Ils furent vraiment des gens du mal, nous les noyons. Noyade, à cause de quoi? Ils furent des gens de mal. S'ils étaient des gens de bien, Allah Ta'ala ne les aurait pas noyés. Ne les aurait pas noyés comme châtiment. Il a dit aussi, c'est-à-dire, s'il n'avait Younus alayhi salam, la baleine l'a avalé. S'il n'avait parmi ceux qui glorifient Allah subhanahu wa ta'ala, alors il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où on l'aura ressuscité. De Younus, une baleine l'a avalé. Et Allah ta'ala l'a sauvé, l'a fait sortir du ventre de la baleine. Pourquoi? S'il n'avait pas été parmi ceux, parmi les musabbihin. Certains ont dit, dans la baleine, il ne s'arrêtait de dire subhanallah, 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 subhanallah. Et d'autres ont dit, Allah Ta'ala l'a sauvé. C'est quelqu'un qui faisait prière. Ça s'appelle aussi Naam. Ils ont dit, mais dans tous les cas, c'est quoi? Ils sont d'Allah subhanallah. C'est d'Allah subhanallah ta'ala. Alors il serait resté dans le ventre de la baleine jusqu'à Yom al-Qiyama. Donc toujours une cause. Il y a une coupe de coupure. Hein? Beaucoup de coupure. Bon. Nous sommes dernière fois de sorte. Naam, salam alaikum. Il faut patienter, inshallah ta'ala. Il reste que seulement quelques versets. Parce que j'ai le programme qui affiche les versets qui est aussi. Donc qui fonctionne en même temps, donc c'est pour cela que ça donne des coupures jusqu'à ce que inchallah ta'ala on va ajouter yani le débit inchallah ta'ala prochainement quand on va yani renouveler l'internet bi'idhnillah ta'ala. Tayyib. Où est-ce qu'on était ici, une seconde. Une seconde. Je suis connecté ou je suis pas connecté, une seconde. Voilà, donc on continue, inshallah ta'ala. Regardez ce verset. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرَ لَهُمْ وَشِدَّةَ تَثْبِيتًا. S'ils avaient fait ce à quoi on les disait, cela aurait été certainement meilleur pour eux et leur foi aurait été plus affermée. Allah Ta'ala a dit, s'ils avaient fait ce qu'on leur avait demandé de faire, alors natija, c'est quoi conclusion? Résultat? J'aurais donc ce serait mieux pour eux, car leur foi, je leur aurais affermi leur foi davantage. Pour que tu saches que si tu veux avoir une foi raffermie, alors fais au maximum ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de faire. Non. Fais les bonnes actions au maximum et éloigne-toi des péchés au maximum. Tu verras comment ta foi va se raffermir. Et le contraire est valable. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire des péchés et dire pourquoi ma foi est faible, pourquoi j'ai pas une bonne foi, j'ai pas une solide foi, mon cœur n'est pas raffermi. Il n'est pas raffermi, il est déchiré à cause des péchés. Tu fais beaucoup de péchés. Non, tu peux pas avoir une foi raffermie. Allah Ta'ala dit dans le Coran, ben on l'a vu, le même. Donc ça c'est le dernier inshallah ta'ala. En somme, pour terminer, écoutez, pour terminer, en somme, le Coran, du début à la fin, est très clair dans la relation entre la rétribution et le bien et le mal, et le lien entre les lois universelles et religieuses et leurs causes. Plus encore, les règles religieuses de ce bas monde et de l'au-delà, et les bienfaits et méfaits qu'ils suscitent,
dépendent eux aussi des causes et d'actes. Celui qui comprend cette question et la médite comme il se doit, en tirera le plus grand des profits. Quant à celui qui se repose sur la prédestination par ignorance, impuissance, négligence et perte, son abandon à Allah Azzawajal ne sera qu'impuissance et son impuissance sera abandon. Celui qui va dormir et ne pas prendre de la relation cause à effet, il va dire que si c'est prédestiné, ça viendra. Si c'est pas prédestiné, ça va pas venir. Alors celui-là, miskin, il va perdre son temps et tomber dans l'égarement et la perdition. De même, celui auquel Allah Azzawajal accorde la réussite et lui inspire la guider, en repoussant la prédestination du châtiment de l'au-delà par la prédestination du repentir. Moi donc, je repousse la prédestination du châtiment de l'au-delà, je la repousse par quoi? Par la prédestination du repentir, de la foi et des œuvres pieuses. C'est là le pendant de la prédestination effrayante en ce bas monde et ce qui est à l'opposé est semblable. Car le Seigneur des deux demeures est unique et sa sagesse est unique, elle ne s'oppose pas et ne s'invalide pas. C'est là une des questions les plus élevées pour qui on connaît la valeur et la considère comme il se doit. Et c'est auprès d'Allah Azzawajal que nous recherchons l'aide. Reste tout de même deux points par lesquels l'homme complète son succès et sa réussite. Ces deux points, inshallah ta'ala, on va les laisser pour le prochain cours. Cours بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je voudrais juste attirer une parenthèse sur la terre par rapport aux questions. Non. Il y a des personnes qui se plaignent et qui disent, nous on rentre dans le salon et on reste 2 ou 3 heures pour garder, yani, les mains levées parmi les premières places. Première, deuxième, troisième, etc. Alors que les admins, c'est-à-dire, vont récolter les questions dans le salon bis. Alors que nous, ça fait 2-3 heures, yani, de rester, alors qu'on reste des heures et des heures à attendre, alors que les admins vont dans le salon bis et ramènent les questions. Et nous, des fois, on reste comme ça 2-3 heures, les mains levées, et nos questions ne passent pas. Donc j'ai pensé, Allahu Ta'ala alam, que pour que ça rentre dans la justice, alors au moins, voilà, de faire, par exemple, 2 questions du salon bis et une question d'ici. 2 questions du salon bis à cause des questions qui ont rapport avec le cours et une question ici, inshallah ta'ala. À tout à l'heure, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va commencer, inshallah ta'ala. Avant cela, la fois passée, une personne m'avait posé une question sur Jibril alayhi salam. Quand il est venu au prophète alayhi salam, et lui a dit, lis, est-ce qu'il avait avec lui un livre ou pas? Si la personne, inshallah ta'ala, est présente, qu'elle se manifeste, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadl, je vous donne le micro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, désolé, vu que je ne savais pas que c'était moi qui allais poser des questions, je viens juste de les recevoir. Donc, cher, désolé, juste, je trouve la question, la première question. Non. Donc, un frère demande, pouvez-vous, cher, nous dire quand est-ce qu'on peut lever les mains pour les invocations et le moment où c'est interdit de les lever? Car ici, les gens nous reprochent à nous, les frères salafis, de ne pas lever les mains pour les invocations en groupe avec eux, que ce soit après un repas ou à un autre moment. Et d'ailleurs, peut-on lever les mains pour des invocations en groupe? Pardonnez, cher. Pour le fait de lever les mains, il faut savoir que ça se divise en 3 sortes. La première sorte, là où c'est bien de lever les mains. À Arafat, là, sur le mont de Arafat. Et comme pour faire istisqa, non, istisqa, non, ça est authentique en ce sens. Et il y a aussi d'autres endroits, je ne me rappelle pas maintenant,
Et deuxième sorte, ce qui est interdit. Comme par exemple, lorsque l'imam est sur le minbar. Non, il n'a pas le droit de lever les mains. D'après le hadith du sahabi qui a vu quelqu'un lever les mains sur le minbar, il lui a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, yani maudit ses mains ou quelque chose comme ça. J'ai vu le prophète aslam, quand il faisait les doigts, il levait seulement son doigt. Non. Et aussi, ce qui est interdit, c'est par exemple de lever dans la salat. Par exemple, entre les deux soujouds, par exemple, tu lèves les mains, tu fais des doigts. Et ce qui est interdit aussi, c'est de lever les mains en groupe. Non, il n'y a pas lever les mains en groupe. On lève les mains quand on est seul, c'est tout. Et ensuite, la troisième sorte, là où il n'y a ni exhortation à lever les mains, ni interdiction. C'est quoi la base ici? La base ici, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est de lever les mains. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce sens que quand on lève les mains vers Allah subhanahu wa ta'ala, in Allah yistahi. Allah subhanahu wa ta'ala yistahi est pudique qu'il rende les son serviteur vide. Donc, là, en général, quand j'ai besoin de doigts, en général, je lève les mains. Mais je ne donne pas d'endroit pris. Comme ça, par exemple, après chaque repas, je vais lever les mains. Ou après chaque salade, je vais lever les mains. Ou après chaque fois que je termine le Coran, de lire le Coran, je lève les mains. Non, je n'invente pas comme ça des choses de ma tête. Mais si, sans vouloir, yani donner un lieu ni un moment, dans mon cœur, j'ai senti le besoin de faire des doigts et j'ai levé les mains. J'ai fait les doigts, c'est ça la sunna, inshallah ta'ala. La sunna, c'est de lever les mains, bi'idhnillahi ta'ala. Alors, on ne lève pas les mains en groupe, bi'idhnillahi ta'ala. Tafadhal. Naam, jazakallahu khairan, cher. Prochaine question. Question d'un frère qui demande: vous avez commenté le récit de l'imam Ahmed, rahimallah, en mentionnant qu'il s'agit d'un récit des gens du livre, allant à l'encontre de la législation islamique, car Allah ne peut châtier une descendance dont le père a commis des injustices. Et subhanallah, ceci m'a rappelé un hadith qui m'a toujours interpellé et dont l'explication m'échappe. Il s'agit du hadith authentique selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le mort est châtié dans sa tombe à cause des lamentations faites sur lui. Je me suis toujours demandé pourquoi, dans ce cas précis, le mort est châtié alors que miskine, il n'a rien demandé et que peut-être même il se désavoue de l'attitude de ceux et celles qui se lamentent. Pouvez-vous, min fadlikoum, m'éclaircir ce point? J'en profite pour vous remercier grandement car à plusieurs occasions, vous avez permis de m'enlever certaines choubouhettes en degré. Et vous agréez le palais majestueux du Ferdaous. Tfadal, cher. Amin, ya Rabbi al-Alamin. Ensuite, ne pense surtout pas que si Allah subhanahu wa ta'ala fait de moi une cause que je t'enlève certains choubouhettes, que parce que j'ai plus de science que vous, mais seulement parce que peut-être c'est vous, peut-être, qui n'avez pas beaucoup de science, qui votre peut-être votre niveau est faible, assez faible. Donc moi, en m'entendant, peut-être vous croyez, vous dites que Masha'Allah, il a de la science. Mais moi, je suis seulement comme vous et j'ai un peu étudié. Al-Muhim, le hadith que tu as cité, ça est authentique, mais comme disent les savants, ils disent ici cette chose s'applique à celui qui, avant de mourir, a demandé à ses parents ou à sa famille que lorsqu'il meurt, qu'il vienne alors, par exemple, ou qu'il pleure, par exemple, dans la maison. Et comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen, ce n'est pas d'abord pleurer. Il y a un autre hadith qui montre que c'est niyaha, c'est-à-dire il hurle, hurler et crier. Ce n'est pas pleurer. Pleurer, tout le monde pleure. Le prophète Hassan lui-même a pleuré. Voilà, lamentation. Lui-même a pleuré lors de la mort de son fils Ibrahim. Et on lui a dit à Rasoulallah, tu pleures? Il a dit Naam. Il a dit Rahma, c'est une miséricorde qu'Allah a fait descendre dans le cœur. C'est pour ça que si quelqu'un, son fils. Naam, et maintenant. Donc, il y a deux cas. Ou bien celui qui, avant de mourir, a fait. Il a demandé à ses parents qu'il lamente, se lamente après lui. Cela, celui-là, quand il va mourir, voilà,
il y a le adab à cause des parents, parce que c'est lui qui les a poussés. Ou la deuxième alternative, c'est quelqu'un qui sait que sa famille a l'habitude de faire les lamentations et il ne les a pas mis en garde. Celui-là, donc, c'est de sa faute, c'est de sa faute ce qui s'est passé. C'est pour qu'il aura un châtiment. Par contre, celui qui, par exemple, Yanni, a dit à ses parents, attention, j'aime pas que vous fassiez cette chose. Ou alors, ensuite, ils l'ont fait. Il n'a rien, bi'idhnillahi ta'ala. À cause du verset, wala taziru waziratun wizra ukhra. Aucun ne prend, Yanni, les péchés d'une autre personne. Et, ou bien cette personne, par exemple, ne savait pas qu'ils allaient faire les lamentations. Ils croyaient que c'est une famille, mashallah, donc. C'est pas la peine de leur dire de ne pas faire. Ensuite, ils ont fait. Donc, ce n'est pas de sa faute ici. Dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala, rien ne lui arrivera. Ensuite, autre chose pour terminer, le hadith, Inna al-mayyita yu'adhabu. Quand il a dit yu'adhabu, ça ne veut pas dire automatiquement châtier. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, il a dit, As-safaru qit'atun min al-adab. Il a dit, le voyage est une partie du adab. Du adab, et pourtant, il a cité le mot adab, et pourtant, il n'y a pas de châtiment. Il veut dire que le safar, le voyage, c'est une partie du, comment on appelle ça, du désagrément, voyage, difficulté, fatigue, etc. Donc, le mot adab ne veut pas dire automatiquement qu'il est. Non, ça c'est pour taire Allah Ta'ala. Tfadlal. Inch'Allah, pour éviter de perdre du temps. Une question hors cours et cher. Donc, une sœur demande, j'aimerais savoir s'il est permis de percevoir les aides du chômage, sachant que cet argent a été pris sur chaque salaire de tous les ouvriers de France, avec ou sans leur volonté. Car j'ai pu voir sur un forum qu'il n'était pas permis de les prendre, du fait que l'argent que l'on perçoit peut être pris de certains ouvriers, mais qu'ils ne le souhaitaient pas. Le chômage consiste, par exemple, à travailler un an pendant cette période, ils nous prennent 30 euros par mois pour cotiser le chômage. Puis, une fois le travail terminé, nous avons le droit de percevoir le chômage pendant un an. Mais le salaire sera de 800 euros environ. Fadal Ousmak, Mahmoud, j'ai pas très bien compris ce que tu as dit, et si c'est possible de m'expliquer, tfadlal. Donc, en fait, là, la sœur pose une question par rapport aux indemnités du chômage. C'est-à-dire une personne qui a travaillé, tous les mois, on lui a prélevé de l'argent, une petite somme d'argent, pour que plus tard, lorsqu'il n'a plus son travail, il puisse percevoir une certaine somme d'argent. Mais donc là, elle explique qu'apparemment, comme cette somme d'argent est prélevée sur chaque salaire de tous les ouvriers de France qui sont déclarés, bien sûr, avec ou sans leur volonté. Ça veut dire que s'ils sont d'accord ou ils ne sont pas d'accord, cette petite somme sera prélevée de leur salaire. Et apparemment, elle a vu sur un forum qu'il n'est pas permis de les prendre, c'est-à-dire les indemnités chômage, du fait que l'argent que l'on perçoit peut être pris de certains ouvriers, mais qu'ils ne le souhaitaient pas. Donc, je ne sais pas si vous m'avez compris. Je vous laisse le mic et je vous réexplique autrement. Inch'Allah. Fort de l'échir. Non, pour que ça soit pas permis, il faudrait que l'endroit d'où ça a été pris, le forum, yani qu'il faut que la personne cite que yani, cette parole vient d'un savant et d'un savant connu. Non. Je donne l'exemple de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, qui dit que c'est permis de prendre la retraite, par exemple, et il n'y a aucune choubha dessus, comme ça il dit, aucune choubha. C'est quoi la retraite? La retraite aussi, quand je travaillais, pris de l'argent chaque mois de ma paye, si je le veuille, que je le veuille ou pas. Et ensuite, j'ai travaillé, je ne sais pas, 40 ans, et maintenant on va me donner, peut-être jusqu'à ce que je meure, et donc je vais prendre plus que on m'a pris, et peut-être je vais prendre moins, et je vais prendre moins que je ne devais prendre. Et pourtant, pourquoi c'est permis? Car il y a une différence lorsque tu fais ça avec une société ou une compagnie ou une personne, et quand ça vient de l'État et que c'est une aide d'État, et que l'État en islam doit prendre en charge la personne, par exemple, qui ne travaille pas ou qui est vieille ou qui n'a pas de rentrée d'argent.
situation pour l'État de prendre la personne en charge, bi'idhnillahi ta'ala, jusqu'à ce qu'elle meure. Naam. Donc maintenant que de dire que cet argent vient d'un argent pris aux autres, etc., tout ça, c'est pas vrai, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est l'État. Je ne cherche pas à savoir d'où vient cet argent. Sinon, je vais dire maintenant, l'État vend de l'alcool. Donc, l'argent vient de l'alcool. L'État fait des intérêts, les prêts à intérêt, donc ça vient des intérêts. L'État a pris une maison de quelqu'un et lui a volé, donc ça vient de cette maison. Et comme ça, je fais des ouest-ouest. Non. Si vous ramenez la parole claire d'un savant qui dit ça, ce n'est pas permis à cause de ceci, cela, et des preuves, quoi. Sinon, inshallah ta'ala, non, je ne connais aucune interdiction. Tfadlal. Ah, mes chers, jazakallah khairan. Donc on va repasser aux questions sur le cours, mes chers. En question d'une sœur qui demande, je n'ai pas bien compris quand vous avez parlé de la prédestination et de l'invocation. Si Allah a prédestiné une mauvaise chose pour nous par nos invocations, cette chose peut changer et devenir une bonne chose. Quel est le jugement sur le destin a été écrit bien avant et le changement par la cause des invocations? Barakallahu fik, ya cher. Donc la sœur pose la question par rapport à l'âge. Sur le fait de faire des invocations et que ceci change le destin, et que si nous n'avions pas fait cette invocation, ceci n'aurait pas changé. Donc, c'était le passage que vous avez fait dans le cours. Cette chose, je l'ai expliquée dans le cours passé et aussi dans le cours, l'autre cours passé. Ça m'a dit, pour ceux peut-être qui n'étaient pas présents, sûrement. Quand Allah Ta'ala a écrit une chose, jamais ça ne s'efface. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est écrit prédestiné, il y a ce que Allah a prédestiné dans sa tablette préservée, Louh al-Mahfouz. Et il y a ce que Allah Ta'ala a prédestiné et donné, écrit chez les anges. Ce qu'il y a chez les anges change. Ce qu'il y a dans la tablette préservée ne change jamais. Alors, on va prendre par exemple, je donne un exemple, on va prendre par exemple deux exemples, on va prendre Fatiha et Samira. Fatiha et Samira, deux sœurs connues, et peut-être ce sont des sœurs de même père et de même mère. Il y a Fatiha, il y a Samira. Là, Fatiha fait beaucoup de doigts. Il y a Allah aidez-moi à me marier, Allah aidez-moi à me marier, Allah aidez-moi à me marier. Et Samira ne fait jamais de doigts. N'a jamais fait de doigts. Et, là, Allah Ta'ala savait avant de créer Fatiha et Samira, et avant de dire quoi que ce soit sur la table préservée, savait que Fatiha allait faire des doigts et demander à Allah Ta'ala de le marier. Alors il a écrit dans la table préservée que Fatiha va se marier et la cause, voilà, c'est des doigts. Et l'autre, Samira, restera sans mariage. Non. Elle mourra comme ça sans mariage, dans Allah. Et non, elle n'a pas fait de doigts. Donc maintenant, Fatiha, quand elle va faire des doigts, non, pour qu'elle se marie, car les doigts qu'elle a faits, ça rentre dans la prédestination, était écrit dans la table préservée qu'elle allait faire des doigts pour se marier. Et que si elle n'avait pas fait, que peut-être elle serait mariée. Donc c'est déjà prédestiné. Ensuite, nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tablette préservée. C'est pour ça que moi, je fais des doigts. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Je fais des doigts. Peut-être que Allah Ta'ala a écrit que si je fais tel doigt, il me donnerait telle chose. Il a écrit comme ça. Je vais donner à cette personne telle chose s'il va faire des doigts. Et moi, je ne sais pas. Donc, je suis obligé de faire des doigts, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Naam, jazakallah khayran, yachir. Donc nous allons passer à la prochaine question. Question toujours sur le cours, yachir. Donc une sœur demande, la question concerne le cours de la semaine dernière. Vous avez dit que lorsqu'on invoque avec les mains, il faut qu'elles soient face à la qibla et les paumes proches de notre visage. Quel est le dalil de cela? Quelle est la preuve pour cela? Pardonnez-moi, peut-être n'avais-je pas bien compris la façon de lever les mains. تفضل يا شيخ جزاك الله خيرا. Non, pour la Qibla, je ne pense pas avoir dit cela.
Je ne pense pas avoir dit que on doit être face à la Qibla. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait confirmer si j'ai dit ou j'ai pas dit? Vous étiez peut-être 250 dans le salon. Mais d'après ce que je sais, je ne sais pas de mes paroles de dire les doigts, faut être en face de la Qibla. Non. Malgré cela, laissez-moi vous dire qu'il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je crois que le hadith est bon, c'est-à-dire hassan ou bien authentique. Mais dans tous les cas, yani, dans les deux cas, yani, on travaille avec. Il se trouve dans l'un des livres de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Peut-être dans le Mishkat, peut-être dans Sahih Al-Jami', peut-être dans Sisi Al-Sahiha. Je l'ai vu il y a pas longtemps aussi, peut-être 10-15 jours aussi. Où il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidul Majalis, le maître des assises, ou alors le maître ici, dans le sens la meilleure des assises, c'est en face de la Qibla. Comme ça, il a dit, c'est en face de la Qibla. Tayyib. Maintenant, pour les mains, il n'y a aucun hadith qui dit comment qu'on fait pour les mains. Sauf pour Salat, par exemple, l'Istisqa, où le prophète Hassan levait les mains de façon à ce qu'on voyait ses aisselles blanches. Ses aisselles blanches. Il levait tellement, il levait les mains vers le haut. Dans son livre, c'est pas Sharh al-Mubti', mais plutôt dans son livre, comment qui s'appelle, de saint Thomme, dont je vous ai parlé la fois passée, Fath dil Jalal ou l'Ikram. Rappelez-moi de quel Sharh, Fath dil Jalal ou l'Ikram, est-ce que vous vous rappelez qu'il y a saint Thomme? C'est pas Sharh Subullah, Sharh Bulugh al-Maram. Ahsan, Bulugh al-Maram. Voilà, Sharh Bulugh al-Maram. Dans l'un de ces tomes, 1, 2, 3, 4, Allahu alam où ça se trouve, il dit que dans pour la façon de lever les mains, il dit qu'il n'y a pas quelque chose comme ça d'authentique clair. Il dit, mais d'après ce que je sais, ça, c'est Sheikh Ibn Uthaymeen qui dit comme ça. Il dit, d'après ce que je sais, c'est que on lève les mains, c'est que d'abord, on joint entre les mains. C'est-à-dire les petits doigts touchent le petit doigt et comme ça, le côté de la paume, pas la paume, comme ça, du côté. Les deux côtés touchent, les mains se rejoignent. Il a dit on les approche un peu du côté du visage et de la bouche. On les approche un peu, on les met en face. En face, j'ai pas dit en face de la Qibla, en face de notre visage, comme ça. Et on les descend un peu vers la bouche. Il a dit on fait des doigts. Donc ça c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Sinon il y a aucune île, il y a un éclair à 100% qui disent voilà comment qu'on fait, sauf pour par exemple Salat al-Istisqa. Tfadl. Naam, jazakallah khairan, cher. Donc, prochaine question, question hors cours. Je m'apprête bien à lancer une application qui proposera des vidéos et des audios de cours de savants et talab al-ilm du Minhaj. J'ai un souci par rapport à l'hébergement de cette application. Je paie de l'argent par mois à une société non musulmane qui crée des applications. Ai-je le droit de donner cet argent à des mécréants et continuer ce projet ou bien dois-je l'interrompre? Barakallahu fik, cher. Afoun, j'ai pas bien entendu, c'est possible de répéter. Naam, cher. Donc, la sœur, elle s'occupe d'une application qui propose des vidéos et des audios de cours de savants et talab al-ilm du Minhaj. Et elle a un souci par rapport à l'hébergement de cette application, car elle paye une certaine somme d'argent par mois à une société non musulmane qui crée des applications. Donc, elle demande, est-ce qu'elle a le droit de donner cet argent à des mécréants et continuer ce projet ou bien doit-elle l'interrompre? Tfadal, cher. Donc, ce qui est, d'après moi, si j'ai bien compris, donc ce qui l'interpelle, c'est de donner de l'argent aux mécréants. Donc, si c'est comme ça, si c'est comme ça, elle ne donne aucun mécréant l'argent. Elle ne donne aussi, par exemple, non, mais on leur donne, non, elle ne donne pas aux aussi au G pour prendre le pain, donne pas au mécanicien pour payer la voiture, elle donne pas. Donc je vois pas pourquoi elle donne pas. Moi, non, moi pour Stinker ou là, qu'est-ce que j'ai à voir avec lui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih al-Bukhari a rencontré un polythéiste, un mouton. Il lui a dit,
tu me vends ou bien tu m'en donnes. Ça veut dire si tu m'en vends, j'achète. Si j'achète, ça veut dire je te donne l'argent, donne un mouton. Donc moi, qu'est-ce que j'ai à voir avec les mécréances? C'est pas mon problème. Le problème, il me donne la chose qui m'intéresse pour faire le site où je vais. Je lui donne son argent. Après, ce qu'il va faire avec, c'est pas mon problème. Non, sinon, le prophète, comment se fait-il qu'il faisait le commerce avec les juifs quand il était à Médine? Il leur vendait, il lui vendait. Il n'a pas dit ce sont des juifs, des ennemis de l'islam, donc je ne leur vends pas. Non, تفضل. Naam, jazakallah khairan ya cheikh. Prochaine question, question sur le cours. Donc le frère demande, je voudrais savoir, la Terre tourne autour de elle-même ou bien elle reste fixe. Donc le frère demande si la Terre tourne autour d'elle-même ou elle reste fixe. Ce que je sais, Allah Ta'ala alam, c'est qu'elle tourne autour d'elle-même tout en tournant autour du soleil. Elle tourne autour d'elle-même d'abord, tout en tournant. Je pense, Wallahu ta'ala alim, que Cheikh Ben Outhaymeen rahmallah a un avis différent. Naam. Tfadlal. Naam, jazakallah khairan ya cheikh. Prochaine question, question toujours sur le cours. Question d'une sœur qui demande, dans le cours de la semaine dernière, le cheikh a donné une doa en arabe pour la tristesse. Afwan, je n'ai pas eu le temps de la noter. Serait-il possible qu'il la redonne? Barakallahu fik. Tfadlal, cheikh. Je la redonne en la disant ou bien en l'écrivant. Mon cher, dites-la et dites-la, si un frère l'a noté, on la fera passer pour éviter de perdre du temps. Comme vous voulez, cher. Pardonnez, cher. D'abord, faudrait-il savoir, est-ce que c'est la doua qu'on a vue ensemble dans le cours où c'est dit Allahumma inni abduk ibn abdik ibn amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak سميت به نفسك وانزلته في كتابك وعلمت احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور حزني ونور قلبي وجلاء حزني وذهب غمي est-ce qu'elle parle de ce hadith ou elle parle de l'autre quand يعني je parlais et je disais il y avait un autre hadith où c'est cité que ça enlève le et c'est une doua La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsh al-azim. La ilaha rabbul samawati wa rabbul arsh al-karim. Est-ce qu'elle parle de ça ou de l'autre? Voilà, jazakallahu khair. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsh al-azim. La ilaha illallah samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim. Tafadhal. Celui-là, on le répète. Hein? On le répète avec un cœur raffermi, un cœur qui est sûr que, Inch'Allah ta'ala, ça va enlever le chagrin, ça l'enlèvera, bi'idhnillah. Jazakallah khairan ya cheikh. Prochaine question, question hors cours. Donc le frère demande, ma fille âgée de 3 mois a attrapé une maladie dans la bouche. Le médecin nous a prescrit un médicament contenant de l'alcool éthylique de faible quantité. Je me suis renseigné, il n'y a pas d'autre traitement sans peut-on soigner notre enfant avec ce médicament. Je précise, c'est une maladie qui se répand beaucoup. Cela fait un mois que notre enfant malade. Ça fait un mois que l'enfant est malade. Faute d'aller cher, donc de l'alcool éthylique de faible quantité. Faute d'aller cher. Avant cela, la personne qui a est venu au prophète Ali Soslam dans la caverne de Hira. Non. Est-ce qu'il avait un livre avec lui ou pas? Est-ce que la personne est là? Si elle est là, elle se manifeste aux admins. Enfin, ensuite, je dirais, même si elle n'est pas là, je suis obligé de répondre car beaucoup ont entendu la question et peut-être qu'ils veulent aussi la réponse. Je dis donc. Allez, je lui donne d'abord un peu de temps pour voir si la personne est là. Pour l'enfant et les médicaments, etc., Inch'Allah, il n'y a là, aucun problème. Car comme dit Cheikh Ben Outhaymeen, il dit l'alcool,
a été interdit, est interdit. Pourquoi? Parce qu'il se boit avec l'intention du tabac. Alors que, en le prenant comme médicament, on le prend avec l'intention de tatbib. Il y a une grande différence. Le premier, celui qui va au bar, etc., il prend de l'alcool avec quelle intention? Ah, une intention tarb, hein, pour se divertir, pour jouer, pour oublier les chagrins, pour danser, pour je ne sais pas quoi. Tandis que le malade ne le prend pas avec cette niya, mais il le prend avec l'IA, la niya qui c'est un médicament. Naam. Et ensuite, il y a une faible quantité qui, je suis sûr, quand on va prendre le médicament, on va sentir ni l'eau de l'alcool, ni le goût, ni la couleur. Naam, tfadal. C'est pourquoi aussi, regardez, à ce mot, l'alcool, pourquoi c'est interdit? C'est interdit parce que quand on va prendre l'alcool, on va perdre la raison. Ça, on va dire n'importe quoi, et on peut perdre la raison jusqu'au point de dormir et de ne savoir plus ce qui se passe. Être, comme on dit, dans les vapes. Ça, oh là là là, ça, si on exagère en prenant une grande quantité. Pourquoi? Voilà, ça en est. Alors pourquoi l'anesthésie est-elle permise? Alors que quand on te met une piqûre d'anesthésie, tu perds, il y a une la raison et tu sais plus ce que t'endors. Justement, si on prenait le qiyas, on va dire c'est haram. Enlève le raison plus que tu dis, tu t'endors et c'est grave. Tu vas pas prier même. Et pourtant, on sait pourquoi, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen, à cause de l'intention, c'est tatbib et c'est. Pourquoi vous écrivez numéro 2? J'ai terminé, j'attends que vous posiez une question. Non, mon cher, c'est qu'il y a eu des petites coupures, mais alhamdoulilah, on a entendu. Donc, on pensait que vous n'aviez pas fini. Donc, on va passer à la question sur le cours. Donc, la question est la question d'une sœur qui dit: Ya Cheikh Anna, pourriez-vous me faire une brève exhortation concernant la déconcentration lors des invocations? Sinon, qu'Allah vous rétribue de la meilleure manière selon votre intention, selon vos intentions. Donc, la sœur demande une exhortation concernant la déconcentration lors des invocations. Sœur de Yeshir. C'est-à-dire, si je comprends bien, la personne voudrait savoir comment faire pour avoir yani, du khushu' lors des invocations, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça? Non. La fois passée, si vous vous rappelez, dans le cours passé, on avait cité quelques versets de sourate Al-Mu'minun. Où Allah Ta'ala a dit, il a dit, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Bienheureux sont les croyants qui, dans leur salat, sont humbles en le khushu'. Juste après cela, qu'est-ce qu'il a dit? والذين هم عن اللغو معرضون. Et ceux qui sont loin de quoi? Yani du lagou, des choses futiles. Et j'ai dit, pourquoi Allah Ta'ala a mis ce verset juste après le khushu'? Pour te dire que tu n'auras jamais le khushu'. Si tu passes ton temps dans les futilités. Or, il en est de même pour les doigts. Quand quelqu'un veut faire des doigts, d'abord il y a un hadith qui dit qu'Allah Ta'ala il n'accepte pas les doigts d'un cœur distrait. Cheikh Al-Albani, ce hadith se trouve dans ses livres. Allah Ta'ala n'accepte pas les doigts d'un cœur distrait. Car Allah Ta'ala, il faut d'abord. Yani, avoir, comme on dit, être pudique devant lui. Comment? Tu vas faire des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala alors que ton cœur n'est pas avec toi. Donc tu n'es présent, non, tu n'es présent que de corps. Ton cœur n'est pas avec toi. Ton cœur est avec, par exemple, le match. Ou alors ton cœur est avec ce qu'ils ont préparé à manger. Ou alors ton cœur est, je ne sais quoi, avec le commerce. Donc, à quoi ça sert de faire des doigts? C'est au contraire, on peut avoir des péchés. Parce que c'est un mauvais comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, maintenant, si je veux avoir du khushu', quand je fais des doigts, il faut d'abord que je pense, que je me prépare, que je me dise, maintenant, je vais faire des doigts, donc je vais demander à Allah azza wa jal
le Tout-Puissant, le Tout-Majestueux. Je vais yani, lui demander des choses. Et c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, le Seigneur des mondes, je vais lui faire des doigts. Donc je prépare mon cœur. Comme ça, quand je fais des doigts, j'essaie de les faire avec khushu. Je ne dis pas comme ça des phrases vite. Mais chaque mot que je dis, yani, je médite sur ce mot et sur cette phrase. Et je mets yani, que Allah ta'ala est en train de me voir maintenant et de m'entendre. De voir et de m'entendre. Naam. Et comme ça. Mais si maintenant la personne est distraite et va faire des doigts comme ça, naam, non seulement elle ne va pas être exaucée, mais encore elle risque d'avoir des péchés pour s'être mal comportée avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Tfadhal. Naam, jazakallah khayran ya cheikh. Prochaine question. Question. C'est pour ça que dans la sunna, afwan, c'est pour ça que dans la sunna, qu'avant de commencer de faire des doigts, on commence par faire des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala. Car faire des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est déjà une préparation. Je commence à me préparer. Se préparer, d'un côté en faisant des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala, et de l'autre, en repoussant la rafla que j'ai dans le cœur. En repoussant la distraction que j'ai dans le cœur, en repoussant l'insouciance que j'ai dans le cœur. Maintenant, yani, en commençant à dire Alhamdulillah ya Rab, ala al-khayr al-azim, Alhamdulillah ya Rab, ala hada al-ni'am, Alhamdulillah ya Rab. J'ai pas encore fait des doigts, je suis en train de faire des éloges. Ensuite, je fais la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله toujours les éloges ما زلني في les éloges يا الله لا يعني أعني حتى لا أنسى خيراتك يعني إن فضلك علي يعني يتزايد يوما بعد يوم يا الله كذا 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 ensuite je commence à faire des doigts ici inshallah ta'ala l'exaucement inshallah ta'ala sera sûr بإذن الله تعالى تفضل. Naam, jazakallah khayran ya cheikh. Donc, prochaine question, question sur le cours. Cheikh, on aimerait un conseil pour être du nombre de ceux qui ont atteint l'ihsan. Souvent, pendant les péchés, on oublie le châtiment d'Allah, l'enfer qu'Allah vous préserve. Donc, le frère demande un conseil pour être du nombre de ceux qui ont atteint l'ihsan. Tafadhal ya cheikh. Afoune, beaucoup de grésillements et des coupures. J'ai pas entendu la question, alors je n'ai pas bien compris. Naam, cher. Donc, la personne demande des conseils. Elle demande des conseils pour être du nombre de ceux qui ont atteint l'ihsan. Car souvent, pendant les péchés, on oublie le châtiment d'Allah. Donc, la personne demande des conseils l'ihsan pour atteindre l'ihsan. Tafadhal, cher. Donc, comme en islam, il y a quoi? Il y a 10 ans, trois statuts. On commence du plus le plus élevé. Le plus bas, c'est musulman. Ensuite vient le deuxième, le milieu, c'est d'être mu'min. Ensuite vient le troisième et le dernier, c'est d'être muhsin. Donc on a le musulman, ensuite dessus, le croyant, ensuite dessus, le bienfaisant. Alors, tout bienfaisant est un croyant. Tout bienfaisant est un musulman. Et tout croyant est un musulman. Tout musulman est un ni tout croyant est un bienfaisant. Est-ce que vous avez compris ça ou vous ne l'avez pas compris? Muslim, mu'min, muhsin. Non, afwan. Voilà, musulman, mu'min, muhsin, ahsan. Islam, iman, ihsan. Islam, nam, iman, croyance, ihsan. Tueux, ou bienfaisant. Nam. Donc, on peut être musulman sans être mu'min. On peut être mu'min sans être muhsin. Mais tout muhsin est mu'min.
Et tout muhsin est muslim. Et tout mu'min, mais pas tout muslim est mu'min. Et pas tout muslim n'est muhsin. Donc je dis à ce R qui veut être muhsin, inshallah ta'ala, naam, c'est comme a dit le prophète sallam, un ta'boud Allah ka'annaka tarah. D'adorer Allah ta'ala comme si tu le voyais. Et sache que si tu n'es pas en train de le voir, lui, il est en train de te voir, car c'est lui le clairvoyant. Et l'ihsan, comme vous savez, c'est pas donné à n'importe qui. Hein. C'est pas donné à n'importe qui, mais que la personne y en ait, fasse des efforts et y en ait, s'éloigne au maximum de péché, fasse le maximum d'obéissance, même le mustahabbat, pas seulement les obéissances, aussi des choses recommandées. Asa Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne le du vertueux bi'idhnillah ta'ala. Tafadhal. Naam, jazakallahu khairan ya cher. Vu que les questions sur le cours sont terminées, nous allons continuer les questions hors cours. Donc une sœur demande, je voudrais savoir s'il vous plaît si le port des shorts et des talons hauts pour les femmes devant leur mari est haram. Et si nous avons le droit de porter des shorts et des pantalons pour dormir ou pour faire du sport à la maison. Tafadhal ya cher. Si les pantalons, ce sont des pantalons d'hommes, comme le jean, etc., il faut les éviter. Il faut les éviter. Si c'est maintenant quelque chose spécial femme, qu'un homme ne met pas, et que ça ne se met pas pour les hommes, c'est quelque chose spécial pour femme, ça c'est autre chose. Mais si c'est un pantalon, connu que c'est un pantalon homme, comme le jean c'est un pantalon homme. À la base, le pantalon c'est pour l'homme. Ensuite, c'est maintenant la femme qui le met beaucoup plus que l'homme. Mais ce n'est pas parce que beaucoup de femmes, beaucoup plus que d'hommes, mettent le jean que ça veut dire que c'est un pantalon de femme. Non, c'est un pantalon d'homme. Tout ce qui ressemble au jean comme ça, les pantalons qui montrent bien la forme des cuisses et des jambes, etc., là, est interdit. Sauf si, comme j'ai dit, c'est un pantalon large de femme, connu que c'est spécialement pour les femmes. Wallahu alam. Reste maintenant pour le short ou pas short. Avec son mari, elle est libre de mettre ce qu'elle veut à condition qu'elle ne mette pas yani quelque chose avec l'intention de ressembler aux kafirettes. Non. Avec l'intention que yani, je veux ressembler à telle chanteuse ou telle kafira ou telle ou telle. Si elle est avec son mari seule, yani intimement dans leur pièce, yani elle est libre de mettre ce qu'elle veut tant que yani elle n'a pas l'intention de ressembler aux kafirettes, car من تشبه بقوم فهو منهم. تفضل. نعم جزاك الله خيرا يا شيخ. Nous allons passer à la question prochaine, Antoine. Donc une sœur demande, elle a un fils qui est pubère mais qui oublie parfois de faire ses ablutions pour la salate, qui récite trop vite ou prononce mal certaines sourates, même la Fatiha. Est-il mieux pour elle de prier avec lui pour qu'il ait la récompense de la jama'a? Il est donc l'imam, c'est-à-dire il fait l'imam et la maman suit, ou de prier toute seule. La sœur se demande si sa prière est valable quand son fils se trompe comme ça ou pas. Aussi est-il interdit qu'elle empêche son fils d'aller prier à la mosquée quand il n'y a personne pour l'y accompagner, en sachant que s'il va tout seul, il y a trop d'insécurité là où ils habitent, et aussi qu'il fait des bêtises en chemin pour toutes les salates. Par contre, je ne sais pas si c'est compté comme plusieurs questions, hein. Donc la personne pose deux questions à Cher. La première, son fils apparemment des fois oublie de faire ses ablutions, il récite trop vite ou prononce mal certaines sourates, même la Fatiha. Donc elle demande, est-ce qu'elle peut prier avec lui, c'est-à-dire que lui fait l'imam et elle suit pour qu'il ait la récompense de la jama'a. Et la deuxième question, son fils apparemment va à la mosquée, mais elle l'empêche d'aller prier à la mosquée car sur le chemin il fait des bêtises et il y a de l'insécurité. Donc, est-ce qu'elle peut lui interdire cela, Echer, faute de l'Echer? Je dis, Wallahu ta'ala alam, qu'un guide, il faudrait qu'il rentre certains conditions. Au temps du prophète ou juste après? Attendez une seconde. Naam, je me rappelle, c'est au temps ou après? Il y avait un garçon de 7 ans. 7 ans? Qui guidait les Sahaba, comme ça, dans une contrée ou un village ou là,
s'appelle Amr, quelque chose comme ça, j'ai oublié maintenant son nom, Amr ibn Ab, quelque chose comme ça, radiallahu ta'ala, dans sa tribu. Ça, il avait seulement 7 ans. Et miskin, il n'avait même pas yani de un qamis comme il se doit. La preuve, quand il se prosternait, parce qu'il y avait des hommes derrière lui et des femmes aussi. Quand il se prosternait, comme bien sûr, quand il terminait la salat, les femmes ont dit aux hommes, elles leur ont dit, dites à votre imam de cacher sa aura. Car quand il se prosterne, on voit sa aura. Donc il voit miskine, il a un kamis tout déchiré, quelque chose comme ça. Et ensuite, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une récolte et lui ont acheté un kamis, mashallah. Il a dit, c'est le plus beau cadeau qu'on ait pu me donner. Le hadith se trouve dans Sahih Abi Daoud. Al-Bani rahimahullah. Amr ibn Salam, barakallahu fik, c'est lui. Amr ibn Salam, jazakallahu khair, c'est lui. Un sahabi, mashallah. Donc ici, un garçon les a guidés. Mais pourquoi? Parce qu'il connaissait le Coran mieux qu'eux. Maintenant, si tu va mettre son, comme ici elle dit, son fils, yani, qui récite mal et qui peut-être le Fatiha, il va yani, la lire faux. Ils ont beaucoup de fautes dans la Fatiha. Sourate plus ou moins, mais le Fatiha, s'il va faire des fautes, oui, alors il va lire très vite. Alhamdoulilah, la plupart du temps, non, dans sa serre, il vaudrait mieux que yani, elle ne perde pas elle aussi sa salat, puisque à la rigueur qu'elle perde pas elle aussi sa salat. Et elle est en train de lui faire les rappels et de lui apprendre comment prier, comment à la rigueur lire le Fatiha et yani, lui apprendre deux sourates convenablement, sans lire vite et yani, avec ahkam si c'est possible, inshallah ta'ala. L'empêcher d'aller à la mosquée. S'il y a des facteurs qu'elle a cités et qui fait des bêtises et peut casser des choses ou faire des problèmes avec des gens ou la police ou je ne sais quoi, là, il faut attendre, inchallah ta'ala, jusqu'à trouver quelqu'un qui l'accompagne ou jusqu'à qu'il mûrisse un peu, bi'idhnillahi ta'ala, ou alors le laisser de temps en temps et quand il y a des choses qui ne sont pas bien, yani, l'arrêter un peu. Wallahu ta'ala alam. Tfadal. Naam, jazakallahu khairan ya cheikh. Prochaine question, question d'une sœur qui demande, peut-on faire des doigts pour notre famille qui sont mécréants, à part la demande de guider? Peut-on faire des doigts pour notre famille qui sont mécréants, à part la demande de guider? Peut-on faire d'autres doigts, à part la demande de guider? Soit de l'échelle. Je ne sais pas quel genre de doigt peut-on faire. Est-ce qu'elle peut donner un exemple à part la guider? Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? Comme demander la guérison, ya cher. Comment demander la guérison? Comme demander, je sais pas, qu'il trouve un travail, qu'il se marie ou autre. Wallahu a'lam, sorte de la chair. Alam, ça demande. Parce que maintenant, quand je suis en train de vous parler, aucun dalil ne se présentait à moi. Non, aucun dalil à moi. Donc je préfère laisser cela, inshallah ta'ala, pour le prochain cours. Je préfère des. Non. Disons de doute que c'est possible, inshallah ta'ala. Mais je voudrais citer quelques dalils. Je voudrais citer quelques dalils. J'en trouve pas. Et pour la personne, bon, elle n'est pas là pour le hadith de Jibril, alayhi salam, lorsqu'il était dans la grotte et que Jibril, alayhi salam, est venu, il lui a dit, Iqra, j'ai trouvé dans Bidayah al-Nihaya de Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, qu'il a cité, le prophète, alayhi salam, a dit que il est venu, Jibril alayhi salam, est venu avec un motif de brocart sur lequel il y avait un livre. D'ailleurs, même logiquement, le Jibril, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit dis ou bien il lui a dit lis. Il lui a dit lis. Donc automatiquement, il devait lire dans un livre. Non, mais ce hadith, ensuite, je l'ai trouvé, alhamdoulilah, dans
Sahih Sira Nabawiya du Cheikh Al-Albani, l'authentique de la sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala alam. Quant à pour cette question des doigts, inshallah ta'ala la réponse dans le prochain cours. Tfadlal. Naam, jazakallahu khairan le cher. Prochaine question. Question d'une sœur qui demande: pour un musulman qui va aller en enfer avant de rentrer au paradis, comment cela va-t-il se passer pour lui dans la tombe? Va-t-il être châtié? Et de sa tombe, va-t-il voir l'enfer ou le paradis? Fadal ya cher. Le musulman qui, avant d'entrer au paradis, Naam, va passer par l'enfer, comme c'est dit ici, se divise en deux. Il y en a ceux qui, donc Allah Ta'ala Yom Al-Qiyam va le faire entrer en enfer, ensuite le faire sortir pour aller au paradis. Et il y en a qui, normalement, ils devaient yani aller à l'enfer, mais Allah Subhanahu Wa Ta'ala veut une faveur de lui, alors dans la tombe il va le châtier. Il va le châtier dans la tombe jusqu'à le purifier. Surtout si les péchés qu'il a faits étaient des péchés entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout si les péchés, il ne les a pas faits avec, yani comme ça devant tout le monde, avec l'intention de je n'ai peur de personne, je n'ai honte de personne, et je n'ai peur ni d'Allah ni de rien. Ça c'est grave. Tous les gens étaient témoins, donc celui-là, il ne va pas le purifier dans la tombe, jusqu'à ce qu'il montre aux gens que le voilà, maintenant il est là, et que je vais le châtier devant vous, vous allez voir comment je vais le jeter en enfer. Là, maintenant, quand il est dans la tombe, quelqu'un qui va passer en enfer, il est possible que Allah subhanahu wa ta'ala, lui d'abord, il le châtie la tombe, jusqu'à ce qu'il le purifie, ensuite il lui ouvre la porte du paradis dans la tombe et lui dit: regarde, où tu vas aller. Donc ça sera après l'avoir purifié, c'est-à-dire le châtier. Wallahu ta'ala alam. Tfadlal. Naam, jazakallahu khairan, ya cher. Prochaine question, hors cours. Est-il possible qu'Allah donne à des gens des rêves prémonitoires ou des visions de ce qui va se produire, sans que la personne ne comprenne ses visions? Si oui, est-ce que cela signifie que la personne a une bonne pratique, ou est-ce que cela peut être une épreuve? Sinon, cela vient-il d'un mal occulte, en sachant que ses rêves ou visions se produisent réellement? Avant cela, ça m'a rappelé une chose de Cheikh Ben Othaym, rahimahullah ta'ala, et je reviens un peu marche arrière pour la question de tout à l'heure sur la doua. Sur la doua, yani à une personne mécréante, il faut faire la différence pour la mécréance entre, parce que le mécréant se divise en deux. Est-ce que c'est un mécréant, yani, qui nous a, avec lequel on est en guerre, hein, ou un mécréant avec lequel on est en paix? Si le mécréant avec lequel yani on est en guerre, celui-là, il n'est permis de lui faire yani aucun doua, ni encore moins de miséricorde. Que Allah yarhamou, etc. Si maintenant le mécréant, c'est un mécréant avec lequel on est en paix, yani laysa al-muharib, laysa al-muharib, dans ce cas, c'est permis à condition que ça soit par rahma. Que ce ne soit pas yani, rahma et la miséricorde et que Allah subhanahu wa ta'ala t'élève en statut, etc. Mais des choses de maladie, etc. À condition que c'est dans l'habitude de l'autre de nous faire aussi des doigts pareils. C'est pour ça qu'on a demandé à Cheikh Ibn Uthaymeen, si c'est permis, si mon voisin, par exemple le kafir, si son fils meurt, de lui faire des condoléances. Il a dit, premièrement, il ne faut pas qu'il soit quelqu'un de guerre, comme j'ai dit tout à l'heure. Et deuxièmement, il a dit à condition que lui aussi a l'habitude de nous faire des condoléances. C'est réciproque. C'est-à-dire, je ne lui fais pas parce que j'aime lui faire, mais parce que c'est réciproque. Et aussi un peu parce que
J'ai dans l'intention que peut-être ça va l'inciter à rentrer dans le din, Inch'Allah Ta'ala. Quant à la question des visions prémonitoires, la règle dit, en général, ce sont un bon signe pour la personne. Comme a dit le prophète Aslam, Ru'yatu saliha, yaraha rajulu salih autour lahu. Il a dit le rêve, yani salih, qui est bien disant, il a dit, c'est la bonne personne qui le voit, ou bien on le lui fait voir, la vision pieuse. Il a dit, c'est la pieuse personne qui voit la vision, ou bien on le lui fait voir. Comment on le fait voir? Des fois, une autre personne lui raconte. Il dit, voilà, je t'ai vu dans une vision, mashallah, et lui raconte. Donc, en général, c'est un bon signe. Mais des fois, il se peut que Allah Ta'ala la donne même à un kafir, comme il a donné la vision pieuse au gouverneur de Youssouf alayhi salam. Son gouverneur, c'est un kafir. Naam. Et il a dit que je vois cette vache grosse qui vont être mangées par cette vache maigre, etc. C'était une vision pieuse. Et pourtant, c'est un kafir. Les savants ont dit, des fois Allah subhanahu wa ta'ala, il fait l'exception. Ça peut être une exception à la règle. Sinon, en général, c'est un bon signe, bi'idhnillahi ta'ala, et ça ne vient pas, comme a dit ici la personne, d'un mal occulte. Fadal. Jazakallah, frère et cher. Donc, je pense que ça va être la dernière question. Question d'une sœur qui demande, j'aimerais me marier, bi'idhnillah. Seulement, j'ai un problème au niveau de ma tutelle. Mon père pratique la sorcellerie, et ma mère et mes frères ne veulent pas que je me marie selon la sunna. Pourriez-vous me conseiller, Yachir, sur la façon dont je dois agir bi-idhnillah? Donc, cher Fadl, pour cette question, wa jazakallah khairan. Fawzi, alayka alayhi salam. Fawzi, est-ce que Suleyman est avec nous dans le salon? Est-ce qu'il est avec nous dans le salon? Ah, au téléphone. Alhamdoulilah. Donc, les gens sont dans les cours et toi, tu es dans le téléphone, hein? Moi, je croyais que tu étais là en admin. Attends que je t'attrape. Pour cette sœur, je dis pour la sorcellerie. La sorcellerie, ça ne rend pas la personne mécréante que dans un cas. Cheikh Ibn Uthaymeen rahmoullah dit, le sorcier se divise en deux. Le sorcier qui donne comme ça, par exemple, il te dit, mélange ceci à cette chose et ceci à cette chose et mange là ou bois là, ou quelque chose comme ça. Il dit, celui-là, il n'est pas kafir. Il dit, par contre, il rentre dans le coffre lorsque quoi? Lorsque c'est un sorcier qui travaille avec les djinns. Travaille avec les djinns et il dit aux gens ceci, cela, enfin, en employant les djinns. Il a dit, c'est celui-là qui est kafir. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, quand les parents m'empêchent de me marier à la sunna, qu'est-ce que ça veut dire à la sunna? Moi, je ne suis pas obligé de tout montrer à mes parents. Même le frère, par exemple, qui veut me demander s'il sait que mes parents sont contre la sunna. Donc je ne vois pas pourquoi il viendrait me demander la main en kamis. S'il a l'habitude de mettre le kamis, ce jour-là, il l'enlève. Il met un pantalon. Juste qu'il met un pantalon qui arrive juste aux chevilles, qui ne descend pas par exemple sous les chevilles. Il met une veste. Ah, maintenant, après, quand il se marie, il est libre. Personne ne va lui dire pourquoi tu mets le kamis. Donc, s'ils sont contre la sunna, j'essaie de ruser comment leur montrer que mon mariage est simple. Et après le mariage, je fais ce que je veux, bidnallahi ta'ala. L'essentiel, c'est d'être avec mon mari. Ensuite, je suis libre. Parce que la question mérite. Il faut des détails pour que je comprenne bien où est la cause dans la sunna. Je n'ai pas très bien comprise. Mais comme ça, en général. C'est-à-dire, si je sais que mes parents sont contre la sunna ou là,
J'essaie, yani, puisque c'est sunna seulement et c'est pas obligatoire, j'essaie ce jour-là de ne pas faire cette sunna. Naam. Wallahu ta'ala, est-ce que la sœur a des détails à donner, inshallah ta'ala? Ce sera la dernière question, tfadl. Non, au fait, elle a mis autre chose dans sa question et elle demande quand doit-elle annoncer à un prétendant la situation concernant son père, c'est-à-dire que son père est un sorcier. Elle ne sait pas comment s'y prendre et elle a très honte de parler de son père. Donc, quand doit-elle annoncer à ce prétendant la situation à pointe de son père, fort de l'échelle. Et ce sera la dernière question. Elle lui annoncera après qu'il donnera l'accord. Car s'il ne donne pas l'accord, il vient la voir. Ensuite, l'ami n'a pas encore donné l'accord. À quoi ça sert? Car il est possible qu'il dise non avant cela. Maintenant, tout le monde va être yani, au courant de sa situation. Surtout qu'elle a très honte de cela. Mais quand il donne l'accord et que, alhamdoulilah, yani, la personne me plaît et que j'accepte ce mariage, j'accepte de me prononcer. Yani, il faudrait qu'il sache que voilà et voilà et voilà et que et comme ça il sera quoi? Il sera yani, il aura le libre choix de continuer ou bien de se rétracter, de dire moi je veux pas me marier avec par exemple mon beau-père comme ça. Ou alors il dit la sœur et mashallah, ce n'est pas à cause de son père qui est mauvais que je vais aller la, comment dire, je vais la punir. Je vais la punir à cause de son père qui n'est pas bien alors que elle est mashallah et qu'elle remplit les conditions. Normalement, c'est comme ça qu'il doit penser. Donc, moi, alhamdoulilah, je lui montre yani, la vérité. Ensuite, il choisit bi'idhnillah ta'ala. Et si Allah ta'ala a écrit ce mariage, naam, je fais des doigts et viendra bi'idhnillah ta'ala. Et si cette personne ne me convient pas, je fais des doigts pour que Allah Ta'ala l'éloigne de moi et me donne un autre mieux que lui. Cher, pour les notes, j'ai envoyé des admis, je n'avais pas. J'ai aussi les notes de secours. Si vous le samedi, si vous voulez, que ce serait bien de les mettre. Non, je voudrais bien, Inch'Allah Ta'ala. Non, Abdelaziz ibn Adam. Une personne demande quand doit-on dire que l'on est possédé par un djinn? Quand doit-on dire que l'on est. J'ai pas compris. Quand doit-on dire? Que doit-on dire? Ou le quand? Quand un âme? Quand doit-on dire que l'on est possédé par un djinn? La plupart de nous sont possédés par des djinns. Mais des fois, le djinn, yani, ne se montre pas, c'est tout. Nam, ne se montre pas, c'est tout. Sinon, je suis sûr qu'ici, par exemple, tous les admins ont des djinns. D'après leur comportement, hein. Je vois que je pense qu'ils ont des djinns ou là. Donc, pour le djinn, quand la personne se présente, quand la personne se présente, j'attends que je sois sûr que Yanni, apparemment, que je lui conviens. S'il dit oui, je conviens, je dis Alhamdoulilah, mais voilà, j'ai un problème. Est-ce que tu es prêt à dépasser ce cap? Ou bien, yani on s'arrête là. Non. Et c'est possible aussi, puisque le djinn, c'est pas quelque chose de grave, c'est possible de le dire même avant le consentement. Quand la personne vient demander et vient voir, son père lui dit, par exemple, voilà, ma fille, elle a un problème, je suis en train de lui faire la ruqya, elle a été touchée par un djinn, qaddarallahu wa shafa'al. Il est possible que celui qui vient lui demander dise aussi, moi j'ai un djinn. Comme ça, ils vont se connaître et ils vont discuter et nous laisser tranquilles. Mon djinn reste avec son djinn et moi je reste avec mon épouse. Wallahu alam. Voilà, j'arrête inshallah ta'ala ici. Subhanakallahumma bihamdik. Shahadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Mercredi inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.